tu sais que tu peux pas faire passer au lave-vaisselle. Ou les gros plats là en verre tout incrusté. Alors, c'est pas tout ce qui est en verre, c'est pas, j'aime pas. J'ai un saladier en verre gravé, je le garde pourquoi? Parce que c'est un souvenir familial en fait, un héritage familial. Mais sinon, non, je suis plus, tu sais, en bon métal, la couscoussière, le wok, par exemple. Ou les grosses gamelles, les grosses poêles qui peuvent pas passer en machine, quoi. Et quelques tupperwares, d'ailleurs. Frotti, frotta. Where? Mais je me ferai ça soir. Oula, t'as un Mais souci. where? Ah, tupperware. Pardon? J'ai cru que t'avais dit « Eh merde !» Sur le coup, j'ai dit « Tiens, il Non, t'est arrivé un truc, mon where? pauvre !» Tupperware. Et hop, je suis arrivé. Bon bah, en espérant que tu puisses apprécier peinard ta soirée. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Vrai? Qu'est-ce que c'est que ce point de rendez-vous? Oh, je vais faire 10 bornes en bagnole. Blablabla. Attends, il reste le mec qui est sur le navire. À moins qu'il soit descendu à quai, mais le gars il peut m'abattre encore, faut que je fasse gaffe. Hein. Faut que je fasse gaffe. Tu vas voir que je vais me faire abattre bêtement sur le retour. Mais il n'y a pas des diamants ici. Ah non, le radar ne sonne pas du tout. Zéro diamant? Oh, c'est la pauvreté. Ah ouais, c'est la pauvreté absolue, dis donc. Bon bah tant pis. Absolue, absolue, absolue. Pas de diamant, ouais. Non, je suis au taquet? Ah oui, je suis au taquet. Oh, c'est beau. Allez, les vendre au marché noir. Non, non, j'ai vraiment rien niveau diamant. Alors, on entend le moteur de l'embarcation tourner. Mais je pense que les gars ont débarqué et ils font partie de ce que j'ai liquidé. Est-ce que j'aurais un avantage du coup de me promener dans pirogue motorisée sur l'étang? Oui, non. Attendez que je regarde la géographie des lieux. Ah, peut-être. Tant que tu restes dans les temps, c'est bon. Tant que tu restes dans les temps, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais comme j'ai le luxe d'avoir nettoyé la zone, ce serait dommage que je me barre et qu'ils réinvestissent les lieux durant la nuit. Bah tiens. V'là-t-il pas que j'entends plus le moteur de l'embarcation? Ah bah non, ça veut dire que la patrouille est encore opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oui, mais j'entends le moteur tourner, mais où est-ce qu'il est? Attends, pause, je vais boire un coup parce que. Oh bah, boire un coup, j'ai mis, il me reste vraiment le tout fond de ma bouteille. Alors que je me refasse de la flotte. Ah oui! Il reste un mec. Il reste un mec, il faudrait qu'il se pointe bah, là où j'ai la mitrailleuse sur pied. Que je me fasse une joie de l'allumer. Ouais, sauf que l'amplitude. Ah, ça va, c'est assez ample. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre que le gars se présente à moi et je vais me faire une joie de l'allumer. Voilà! J'ai gagné une embarcation. Hop là! Ouch. Mais. Bah. Mais qu'est-ce qui. Mais monte dans le bateau! Mais c'est quoi ce bug? Ouais. Bon. C'est particulier. Merde! Non, 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 non! Et voilà, je suis mort. Et merde. Ah! T'as pas le droit de relâcher la tension une seule fois. C'est pas possible. Oh, j'avais pas vu. Attends.
dollars. Quoi ? Cents. Ah, en centimes. 78 centimes de dollars, d'accord. Enfin, cents, comme ils disent les Américains. Et ben, heureusement que j'ai joyeusement sauvegardé au milieu de mon assaut, parce que... Salopard, le gars qui m'a zigouillé, il était en face. Je suis en train de déraciner, c'est pas le mot, mais je suis en train de découper l'arbre à la mitrailleuse. Et le mec, il m'a pas repéré. Voilà, c'est lui qui m'a eu de toute beauté la dernière fois. Donc faut vraiment que j'ouvre l'œil. Ah, merdoum! Et l'autre loustique, il est où, là, avec son navire? Oula. C'est pas vraiment ce que j'avais souhaité faire. Attends. Je préfère carrément me rendre sur l'île, l'îlot où j'ai abattu le gars. Non, 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 l'assaut n'est pas terminé. Et là, il n'y a pas de diamant? Ah non. C'est le calme plat au niveau des radars. Si, je vois du monde là-bas. Non? Oh! J'aurais cru que c'était un mec. Ah, il y a bien un mec là-bas. Il y a bien un mec là-bas. Alors lui, ça va être sport. À cette distance, je lui ferai absolument rien. Oh, il faudrait que je prenne effectivement une embarcation avec une mitrailleuse sur pied, que alternativement je passe d'un poste à l'autre, comprenez de poste de pilotage au poste de tir. Mince, comment je fais? J'ai un moment, il m'a proposé de monter à bord, mais... Merci. Et puis, il faut pas que j'oublie qu'il y a de l'autre loustique qui est en... Qui est en... Bon. En faction. Je vais vous laisser, je vais vous déconnecter. Ok. Bonne fin de journée à toi. À plus tard. À plus tard, mon cher Tunsen. Au plaisir. Le gars en question. Bon, visiblement, je peux avancer encore un peu. Mais un peu. Je vais me laisser emporter tout doucement par les flots. Allez, voilà. Ouais, si je pouvais découper les palmiers, histoire que ça me dégage la vue. Apparemment, il n'y avait qu'un seul gars. Apparemment. Oh, j'ai mon moteur qui a pris cher. Ah, je peux réparer. Réparons. Ah, quand c'est aussi simple que ça, ça donne envie de faire des études en mécanique. Hein. Vu comme ça, c'est facile. Ouais, t'as vu ça, Nayonet? Merde. Oh, faut que j'arrête de me porter de touche.
Oui, surtout que j'ai... Non, ça va. Ça aurait été la caisse de munitions, je te dis pas le boom. Ça craint. Alors lui, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Bouge ! L'autre, il prend ses médocs, il reste droit comme un i. Allez ! Laisse-moi t'allumer. Merci. J'aurais pu y rester avec cette ânerie. Oui, alors du coup, toute la baraque va flamber. Moi qui voulais la fouiller, c'est loupé. Tu me diras, visiblement, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, j'ai pas l'impression. Bon, il y a ça, mais... Je sais pas s'il y a des médocs. Alors, munitions, ça c'est bien. Visiblement, il n'y avait que Quick. Bizarre. Ah, chalutier là, carrément. C'est un autre modèle. Alors, il n'y a pas d'âge pour jouer au mécano. J'aime les jeux vidéo. Aimes-tu les femmes élégantes aussi, fan? Oh mon dieu. Vous êtes terrible. Tiens, j'ai un poste à revendiquer, dis donc. Mais comment je l'atteins? Attends, mais qu'est-ce que m'indique la... Ah, il est loin le truc. Remarque, c'est jouable, hein. Il faut que je remonte, mais... Attendez. Eh, c'est pas la porte d'à côté. Je vais faire une sacrée promenade, là. Je vais faire une sacrée promenade. Alors là, honnêtement, ça me ferait suer de redémarrer. Donc je vais sauvegarder parce que... On voit qu'on change d'ambiance. Et en fait, dans la mission, là, comme on vient de voir brièvement l'intitulé, il ne me reste plus qu'à zigouiller le chef des forces de l'ordre. C'est terrible, mais c'est ainsi. Merci, Bonanga. Ah, il y a des promenades en bagnole qui sont assez agréables dans Far Cry 2. Ah, il y a une mallette, j'allais dire aux champignons. Une mallette aux diamants dans le coin. Ah. Là. Ah, c'est un truc accidenté. C'est ça. Elle est quelque part en contrebas. Je me dois d'être neutre. Mais t'as pas tort. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors mon problème, c'est que je me retrouve en bas, moi. Je crois pas que je puisse remonter. Si. J'ai fait une belle glissade, hein. Ouais. Je pense qu'il faille me coltiner le chemin. Ah non. Ah non, c'est moi abrupt. Non, c'est bon. Oh, c'est tout bénef. Ah, vive les beaux gosses. Je peux regagner mon véhicule. Alors, attention. Donc j'essaye de pas me faire repérer par un commando. Oh, 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 oh. Comment ça? Encore une mallette à diamants dans le coin? Où est-ce qu'elle est?
Ah, effectivement. Pardon. Alors, si elle n'est pas dans le bus ou sous le bus, elle est sur le bus. Ouais. Alors, attends, c'est pas... Oui, tiens, on a vu l'arrache, je crois. Et on a vu la mallette. C'est pas... Dying Light, mais j'y suis parvenu. Oh, le joli caillou qui brille. Je vais pouvoir m'acheter de meilleures armes. Que je puisse faire mon Rambo. Il y a un poste de sauvegarde pas trop loin. Hein. Oh bon, la route que j'ai à faire. Non mais sérieux, là, j'ai 5 bornes à faire en bagnole. Dans la cambrousse, au milieu de la savane, merde, je me fais canarder par une jeep militaire. Poussez-vous, les nanas. Non, vous m'aurez pas avec mon véhicule civil, je me barre plus vite que vous. Et c'est là où les problèmes commencent. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre pauvre chef. Non, je vous Il y aurait presque mieux valu dans mon cas que je me jette à l'eau. Ouais, hein, c'est terrible. Hein. Il y aurait presque mieux valu que je me jette à l'eau et j'aurais pu les surprendre à la nage. Quand je vous disais, les poursuites sont redoutables en bagnole. Voilà! Oula, j'ai pris un peu large. On dirait moi hier matin dans Gran Turismo. Alors, je vais remettre la main sur le dit diamant. Voilà, c'était ici, je crois. On repart à l'aventure. Voilà. C'était par ici, crac crac boum, la carcasse, la bagnole, le diamant. Et j'étais parvenu à remonter la pente en zigzagant. Voilà, j'aime les dragons de ciel qu'on peut croiser en Alabama. Oui. J'aime le silence et le calme sur Twitch. Pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le coup du bus aussi. J'allais déjà oublier le coup du bus. Ça y est, oui, j'étais monté sur la caisse devant. Alors déjà, il y a l'essence. Ça fait de la recharge pour le lance-flamme. Hop là. Alors, méfiance. Bon, vous m'accorderez le fait de sauvegarder pour pas recommencer cette partie chiante. Ça y est, je vais devenir accro à la sauvegarde. Alors... Alors c'est vrai que rouler à toute berzingue, t'as vite fait de te faire repérer aussi. C'était là, c'était à l'intersection qui m'avait allumé. Apparemment, ils sont pas là. Je me suis canardé. Oh merde! Ils étaient devant moi, je les ai pas vus!
Je me suis fait avoir par ma portière. Ah, soupir. Dommage. Les mecs avec le véhicule seul, honnêtement, c'est gérable. Mais vous avez deviné que je me suis fait abattre dans le dos avec les gars qui étaient du côté du village. Je sais pas trop. Je me demande s'il faut pas que je projette ma bagnole carrément dans le, enfin dans le village, le point de vie, on va appeler ça comme ça. C'est une espèce de vigie, je sais pas quoi. Est-ce que ça protège un Derrick? J'ai pas le temps de voir. Ouais, je sais pas où il y a un moulin avant là. Une fois que je suis dans les bâtiments, ils sont un peu dans la mouise. J'aime bien quand l'ennemi croit qu'on est plusieurs. C'est gratifiant. Sorte là et viens me battre. Je sais qu'ils l'ont perdu, je te vois. Et où tu es? Je sais que c'est la connard. Montre-toi, ne bouge pas. Coucou! Ah putain! J'ai touché! Sans ma chouette, elle est mais. Nya! Hey, combinatu! Have me rifenti ai te crani! J'arrive, où est-il? Combinatu! C'est quoi ce gémissement? J'ai gagné! Vive le yoga, tu m'étonnes. Oh. Il y a un Rambo sur place. L'installation est plus large, plus grande que je ne pensais. Ils ont quasiment réquisitionné et occupé une installation agricole. Ouvre l'œil, il va regretter de s'être frotté à nous. Ah, le mec est tout proche. Je sais pas où. Mais à quoi il joue? Oh, il m'a pas vu! Chat perché! Coucou! J'ai gagné! Oh, merde! Il a failli m'avoir! Oh les boules!
C'était chacun son tour là. J'ai l'impression de faire la chasse aux braconniers. Merde! Ou vache! Wouhouhou! Comment que je me suis fait allumer? Ah, le voilà. Je pense qu'il va essayer de faire le tour. J'arrive. Mmh. Bah, où est-ce qu'il est? Bah, elle est bonne celle-là. Il est en train de m'avoir. Bon, il y a des gars là-bas, je suis d'accord, mais... Bah... C'est le même mec ? Si en plus, il faut que je mémorise temporairement les tenues vestimentaires et les aspects de mes assaillants... Ouh ! Ça va être sport ! Bon, je pense qu'il y a... Il doit y avoir un autre mec dans une autre dépendance, je sais pas quoi... Mais méfiance. Petit dopage de circonstance. J'entends un mec, mais apparemment il me voit pas. Bah, j'ai pas rêvé, j'ai entendu une voix. Il y a bien un mec quelque part, non? Bonjour Tomouf. J'ai rêvé. Persuadé d'avoir entendu... Voilà, top 10... Mais... Oh, ce bug de collision à la noix. J'espère que tu vas bien, Tomouf. Ah, une poupouille. Bon, ça va tranquillou, merci. Ouais, c'est bien, tu vas bien, c'est cool. Ah, c'est pas la seule poule. Roule ma poule, roule. Explosif, radio... Bon, j'irai pas jusqu'à déclarer que j'ai gagné la guerre, mais presque. Mais presque. Alors, c'est pas là, fallait que j'aille, c'était une étape intermédiaire, mais c'était sympa. Du coup, leur véhicule militaire, il est en état de marche ou il a cramé? Non, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de fonctionner. Je sais pas par où tu passais. Oh merde, je peux pas défoncer la palissade. Merde. Oh, elle est où la sortie de cette exploitation agricole? Ah si, la palissade, elle a cédé par là. Mais je ne peux pas rouler dessus. Si c'est bon, avec de l'élan, l'angle est pas bon. Je sens que je vais me retrouver dans une position ridicule et la nuit arrive. Tout va bien. Ah, attends. Merci. Alors, ma route. Mince, non, je suis en train de me planter. Ma route.
Mais oui, mais je suis vraiment loin. Je suis tellement loin que je vais sauvegarder. Pas mécontent d'avoir réussi... d'avoir maîtrisé les Mickey. Alors, Tomouf, tu dis, le sage de Nancy va nous faire une recette de cuisine avec toutes les poules du jeu. Bah, j'avais dit, tu vois, trop tôt, j'avais dit en présentant le jeu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'animaux, mais il y en a quelques-uns. Ils sont pas nombreux. Mais il y a quand même un semblant de vie qui a été programmé. C'est bien. Mais les zèbres qu'on voit dans l'écran de chargement, je m'en souviens pas. Peut-être qu'on aura la bonne surprise de voir des zèbres, mais j'y crois pas trop. Alors, quand la nuit tombe, c'est une autre histoire. C'est moi ou j'ai entendu des rafales de tir? Merde. Oups, oups, oups. Oh, you messieurs dames! Deux soldats en moins. Attends, je vais changer de poste. Ou pas. Mais... Oh putain, il faut obligatoirement qu'il soit... Il vient de me chercher ou... Non mais mon véhicule va finir par péter je pense. Ouais je peux pas le réparer là, je suis pas dans le... Alors, ma cible elle est où? Ah oh, il paraît qu'il y a un diamant tout proche. Mais... Dans quel... Je suis où, là? Mais non, la bonne direction, c'est par là-bas. Ah, ou par là-bas. Il y aurait un diamant tout proche. Allez, je t'ai vu. Y'a rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Allez, connard, allez, mon... J'ai chaud. Il y a du monde ou... Attends, je vais me faire écraser si je me laisse là. Il y a du monde là-bas ou je peux prendre position dans le poste? Je finirai par croire que j'ai zigouillé tout le monde. Je fais mon repérage tout en avançant. C'est culotté pour un mercenaire. C'est culotté. Ah, je pense qu'il y a une mallette de diamants près de la rivière, là. Parce que vu comment le radar s'est excité, avec la petite diode verte... Okay. Oh, merde, du monde. Oh, il y a une armurerie. Allez, connard ! Merde, où est-ce qu'il est ? Je me pose la même question, les concernant. J'ai vu leur véhicule, mais j'ai pas vu... Bah, ils sont garés où? Alors là, j'ai pas compris. Wow! Oh, il y a une jolie cascade, là. Ah, ils sont en face. D'accord. Aïe, ça fait mal, ça, par contre. Ouais, sauf que là, pour aller les débusquer là où ils sont, ça va être sport. Oh merde. Alors le, ils m'ont livré un véhicule qui pourrait m'intéresser pour neutraliser le mec qui est en amont. Ah non, le mec, il a pris le risque de revenir. Merde. Bah, il est où le gars qui m'a tiré dessus?
Comment il a fait pour m'allumer le bord? Ah, il est là-bas. Et la nuit tombe. Et la nuit tombe. Prise de risque. Je crois qu'il est pas... Ah non, il est pas par là. Ah, il m'a abattu. Je lui fous le feu. J'investis la tourelle de la Jeep et il arrive à m'abattre. Honnête. Non, je m'avoue vaincu. Honnête. Du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais, moi. Il faut que j'aille par là-bas. Que je tombe par là ou pas? Non, je sais plus, je suis perdu. Le chapitre chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapeau. Le chapitre chapeau, chapeau, chapeau. C'est un scandale. L'Afrique, adieu, belle Afrique. Où sont les ongles du Tanganyika? Tu vas mourir. Oh, les cons. La vie qui se met à avancer, là, ça va être... Mission impossible. Mais honnêtement, j'aurais attendu un peu, on aurait rôti tous les deux. Parce que vu l'incendie des deux, mais ça fait des beaux combats. On aurait fini rôti, ça aurait été atroce. L'enfer sur terre. Mince, tiens, du coup je me trompe de... Alors c'est pas facile de se diriger. J'abuse un peu beaucoup. C'était pas une bonne idée. Tant pis. Alors, le point de contrôle, il était où? Il était là-bas, je crois. Tu vas voir que je vais réussir mon assaut de nuit. Ça va être n'importe quoi. Ouais, il y a le poste de garde du pont. Je passe mes armes en revue. Le problème, c'est que c'était une baraque en bois. Et évidemment, tirer joyeusement à la mitraille ou au fusil à pépon, bah forcément, les balles passent en travers. Ça aurait été une baraque en tôle encore, à la limite. En aglo, c'est encore mieux. Mais là, c'est vrai que ça fait fétu de paille et... Ah, voilà.
Effectivement, je suis à l'intérieur. Merde. Tu vas mourir. Qui c'est qui a réussi à m'allumer là ? Comme c'est pratique, on va lui offrir un cadeau de bienvenue. Il faut arrêter ça. Oh, tu pleures, tu peux le charger. Merde, il est où ? Salopard. Ouais, du coup ça va flamber. Mais il est où le gars ? Ça sent mauvais. Il faut aller aider. Ah, le gars non, est plus haut. Ici. Merde, j'ai plus de pharmacie. Oh, dommage. Dommage. Très viril comme assaut. Très Rambo-esque. Mais ça paie pas. Ah. Je me fais avoir avec cette voirie... on va dire particulière. Je suis pas un immortel. Là, là, c'est... Comme quoi, voyez, il faut vraiment réfléchir. Y aller à la bourre, hein, ça paie pas. Ça paie pas. Ah, quand j'aurai mon premier fusil de snipe, j'aurai un taux d'échec beaucoup plus faible. Ah oui, mince, je me suis planté de route. Ouais, je me suis planté. Tant pis. Note pour soi-même, ne pas rouler carte en main. Salopard, il a failli m'avoir. Merde. Ah, il est pas mort. Si ?
Ah non, il est pas. Merde, je suis pris à... Allez, on tente le tout pour le tout. Ou pas. Ou pas. Dommage, c'était presque ça. Et je pense que c'est comme ça que je vais les avoir. Wouh! Je suis malade. Complètement malade. Oula, j'ai pas aimé comment la Jeep a réagi. Elle a mal tourné. J'aime bien dit. Oh mon Dieu. C'est bon, on peut rien perdre ici. Tu m'étonnes. C'est dommage parce que c'est bizarre que je puisse pas quitter la partie, certainement pas. Attends, je peux pas valider depuis mon périphérique de jeu au lieu de me pencher sur mon clavier. Attendez, je vérifie mes options là. Non, j'ai pas le droit depuis mes... Non, j'ai pas le droit. Bon, tant pis. Voilà. Mais par deux fois j'étais si proche du but, en général il me restait deux bonus, voire plus qu'un seul. Et... Oh, je finirais bien par réussir à revendiquer le point de contrôle là avec les 7-8 mecs qu'il y a dedans. Non, c'est pas le bon côté, mon gars. Oula. Non, faut rester ici. Clame-la. Va ici en tarer, en skit avec le flingue. À sa position. Je te garde en visuel. Si tu peux. C'est pas vrai. Oh, ballon. Aïe 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 aïe, mais que signifie? Je ne sais plus quoi penser. Vais-je devoir trouver une autre stratégie d'assaut? Bon, le point négatif, c'est que je me mets quasiment en aval. Le fait d'être en amont, ou alors je passe en trombe le pont. Mais j'ai pas de fusil de snipe, donc ça aide pas. Si je mets la bagnole en travers, au niveau du hop, un en moins, voilà, au niveau du pont, ça peut aider. Merde. Alors lui, il me sauce copieusement. Où est-ce qu'il est, le gars? Oh, il est sous le pont. Ouais, je suis mort. Non, alors voilà, encore une fausse bonne idée. Je me demande si ma précédente approche avec était peut-être meilleure. Ah!
Coucou. Oh, coucou mon cher Tunsen. Alors attention, je te mets tout de suite dans la confidence que je suis en pleine fusillade joyeuse. Oh là là. Je pense que ça va s'installer dans la durée. Non. Ah, ça va m'animer. C'est pas celui qui a fait les macarons ? Non, j'aimerais bien, mais non. On a duré, c'est connu, quoi. Ouais, ça a été chanté par une Fritz. Ah, oh, bah, il a une super promo dans une chanson. Oui, bah oui. Non, ça m'énerve. Ouais, je crois que c'est celle-là, ouais, ouais. Ah, il en a pas fait beaucoup, cette chanson. Hein. Ah si, il a fait un album et demi. Il a 12-15 chansons. Dont une variante d'ailleurs justement de Ça m'énerve en hommage au personnel soignant par rapport à la pandémie. Ça me Covid, non c'est ça. Non, il gardait le refrain Ça m'énerve, mais il rendait hommage. Il a retravaillé là. Merdome. Sans offense, mais difficile de maintenir un assaut, d'écouter où sont les soldats et en même temps de faire la causette, sachant que, je le rappelle techniquement, j'ai le retour de ma voix. Je vous dis pas le bordel au niveau de mon cerveau, il est en ébullition. Le retour de quoi? De Discord ou de OBS? Non, j'ai mon retour de VoiceMeter. C'est moi qui suis obligé de faire une boucle, sinon il y a un truc qui va pas. Bon, bref. Mais t'inquiète pas, je me suis accommodé au fait depuis bien longtemps. Normalement, il ne doit pas y avoir de boucle, hein, tu ne vas pas avoir d'écho, pas de temps. J'ai envie de te répondre si, mais c'est parce que tu as pas conscience de ma config. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça. Merde, j'ai gâché un molotov parce que j'ai appuyé sur la mauvaise touche. T'as des trop gros doigts. C'est ça. Et le port de Patoon sera refusé. Je vous vois venir. Oh, joli. Ah, quand même. Aïe, aïe, aïe. J'ai les flammes aux fesses. Ils sont roses, pour les flammes roses. Ah, les flammes me brûlent. Je suis pris à mon propre piège. Faut que je m'approche du mec au fusil à pompe. Cours, Forest, cours, Forest, cours. Ne danse pas la Macarena devant l'ennemi. Il est temps de mourir. En vrai. Pardon. C'est pas possible, d'où est-ce qu'il tire le gars? Oh, ça a giclé à la fenêtre. Mais où est-ce qu'il est le gars? Il m'est passé sous le nez. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh, j'ai de la pharmacie là-bas. Pharmacie. Harry survive. Oh yeah. Allez, on y croit. Je me suis refait. Ah, il est là. Il est à l'arbre. Et bah, un sacré duel. Wouh! Je suis en joie. J'ai gagné. C'est un bon duel. C'est ça. Un bon duel. L'affaire est en boîte.
c'était sport. Oula. Bon appétit pour ceux qui passent à table, il est déjà 19h. Eh ben dis donc, je l'ai enfin ce poste. C'est ça, oh, exactement. Ça j'aurais pas mieux dit. Quelqu'un qui a dû faire un coup, il a fait un coup. Déjà. Alors, ça gaz et vous. Donc, un coup, tu as encore un coup de Funfun, ça. Là, ça va. Ah, un Funfun. Les Funfun, encore, ça. Funfun de coquin. Ouais, ouais, ouais. Et on l'aime bien. Non, c'est même pas lui, dit-il. Ah bon? Non. C'est ton copain docteur robotique là. Non, 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 c'est possiblement effectivement totalement quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave, de toute façon c'est bien, ça met de l'ambiance. Puis comme le combat est passé, là je vais pouvoir sauvegarder sans scrupule, là c'est mérité. Ah, et bah dis donc, j'en aurais bavé, hein. C'est un point de contrôle, je vous rappelle que je suis toujours pas arrivé sur le lieu de ma mission, qui consiste à liquider le chef des forces de l'ordre. Et sur toi. Mm-hmm. Attends, mon radar me dit que je pointe une mallette à diamant. Sérieux? Mais elle est où? Ah, je la vois, je l'ai vue. Faut traverser la rivière. Qui est pas profonde d'ailleurs. Tiens, j'ai les pieds. Hop là. Eh ben, mazette. C'était du sport. Attendez ça, hein, j'ai pas le temps. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je vais prendre le chemin qui va me mener à une armurerie. Ah bah, tu penses bien que je vais faire le plein de matos. En plus, avec les diamants que j'ai récoltés, je vais peut-être pouvoir réquisitionner un nouveau matériel, commander quelque chose d'assez costaud. Est-ce que les diamants, ils ont tous la même valeur, ou est-ce qu'ils ont des couleurs différentes avec des valeurs différentes? Alors, ils sont tous identiques. Par contre, quand tu ouvres des mallettes, il y a un effet aléatoire. Enfin, aléatoire, c'était pas... Non mais genre, il y avait encore un gars. Bon bref, je l'ai honteusement abattu de dos. Tu sais, quand tu ouvres la mallette à diamant, alors tu vois, tu as l'animation d'un seul diamant pris en main, mais certains valent 1, 2, 3, 4 diamants. Le premier, alors c'est l'offre de bienvenue, on va dire. La première mallette que tu ouvres dans le tuto, il y a 10 diamants. Histoire d'avoir une base solide. Mais après, il y a le nombre est assez aléatoire, mais l'animation reste toujours la même. C'est beau. J'avais beaucoup apprécié à l'époque le jeu de dégradé de couleurs dans le ciel. Tout ce qui est aurore et crépuscule. Pardon ? Dégradé de couleurs dans le ciel. Oui. Non, mais c'est juste une texture, en fait. Il n'y a rien de... Oui, mais tu vois, quand c'est bien composé, sans parler en plus de l'habillage sonore, ça fait un tableau vivant, et j'adore ça. Rien. Tu sais que je suis très contemplatif dans les jeux. C'est ça le pire. Oui. Ah oui. Pas des vieux jeux sur ordinateur, les dégradés, comment c'était fait avec des points. Ouais. Des points mis d'une certaine façon pour faire un dégradé. Ouais, 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 ouais. Ouais. Pour tromper le cerveau, et ouais, ouais, en suggestion, ouais. Ah ouais, il y avait même pas de glissage, tout comme ça, ou de dégradé en couleur. Mais ça marchait bien. Une couleur à l'autre, c'était juste avec des points. Et puis c'est comme un bon bouquin, enfin, surtout pour les jeux en pixels de l'époque. On avait encore l'imagination qui nous permettait de compléter, on va dire, le tableau. J'ai pas d'exemple de jeu de données, parce que là j'ai un sous la main, mais. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais oui. Attends. Je suis en train de prendre d'assaut une planque. Le problème, c'est que je suis surpris de voir aucun Gugus à l'extérieur. Les Gugus seraient dans la planque. Eh, hey, tire pas. Gugus avec saut. Ah merde. La prochaine fois, peut-être. C'est les crânes, n'est-ce pas? J'ai eu un bug visuel assez drôle. Un type comme moi. Ah.
Donne tout. Non, l'autre est donne tout. Qu'est-ce qu'il dit là, le malheureux? Fini. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas déverrouillé les... Ah. Fusil à snipe, ça ou pas? Attends, voir. Je suis tombé sur un... Oh. Ah. J'ai envie de le garder. Il y a quand même une lunette. Ça va pas très loin, mais il y a quand même une lunette avec un viseur. C'est très tentant. C'est un beau joujou. Non mais, oula, mais cet homme est un ninja. Ninja. Ouais. Niak. C'est ça. On va l'appeler comme Niak. Ça, monsieur Niak. T'as raison. Ah, oh, mon dieu. comment vais-je bon, faire? Bon, Verlan, étoile de Janine. J'y arrive plus. Oh! La lune au zénith. Trop flippant. Je me souvenais pas que la lune était si grosse en Afrique. Une salle de concert à Paris, une zénith. Ne pas mal interpréter mon propos. Oui. À côté de la Villette. Ah là là. Regardez-moi ce satellite naturel qu'est la lune. C'est beau quand même. Tant que mon pote à lune, ça va. Hein. Alors, l'armurerie est là-bas, juste en face. Mais du coup, comme j'ai un nouveau joujou, je suis moins motivé. Mais bon, on va voir ce qu'il y a en magasin. Qui l'a appris ? Alors, lorsque vous n'avez aucune mission en cours, le vendeur d'armes de l'armurerie vous proposera ses propres missions. Elles vous permettront de rendre de nouvelles armes disponibles à l'achat. Votre prochaine mission débloquera les armes suivantes. Alors, une arme de poing, un Star 45, donc c'est un pistolet, voilà. Un lance-fusée. Et le Makarov 6P9 à silencieux, s'il vous plaît. Le lance-fusée, il peut être très pratique dans certaines missions pour faire flamber la savane. Ça coûte combien ça en diamant ça? Ça dépend des flingues, je vais te dire ça. Je vais me connecter à l'ordi de vendre des armes. Enfin, là, je ne les ai pas déverrouillés parce qu'il faut que je fasse la mission. Voilà, ils donnent des conseils quand tu te connectes sur l'ordi de vente d'armes. Ils te disent, vous en avez assez des armes de mauvaise qualité de l'ennemi? En achetant des armes, vous les trouverez disponibles en permanence à l'armurerie la plus proche. Les armes neuves ont moins de recul et s'enrayent moins souvent. Pour améliorer encore leur résistance, achetez des améliorations de fiabilité pour chaque arme. Des améliorations de réparation existent aussi pour les véhicules. Elles accélèrent et perfectionnent leur dépannage. Oh, il me propose un fusil de snipe. Enfin, le M1903. J'achète. Merci. 10 diamants, parce que j'en ai 20. Ah bah. Ça va. Il me propose même déjà une mitraillette. Oh, il me propose même un explosif déjà à avoir sur moi. Mais non, le fusil de snipe, déjà je suis pour. Diamant, c'est pas énorme. Hein, parce que moi, je vois tout ça dans les 100 ou 1000. Là. Bah écoute, c'est comme ça qu'ils ont. Bien. Fiabilité. Ceinture, pistolet, sangle d'arançon légère, bandoulière de fusil de chasse. Non, c'est après, c'est la bandoulière de sniper qui va m'intéresser. Ah, sangle de grenadier. Pour avoir plus de grenades sur moi, c'est pas mal aussi. T'as déjà plein de choses, hein? Ouais, mais ça va devenir un truc de fou à la fin, c'est ça qui est drôle. Une vraie bourrique, un vrai âne. Avec un plaisir certain, ouais. Ouais. Wow. Yo. Mince, attends. C'est pas tout de faire le mariole, mais si je valide pas ma sauvegarde, ça va pas le faire. Alors, et du coup, demain, c'est quoi ton programme demain?
Je t'avouerai que je sais même pas. Je sais que je fais un épisode commenté exceptionnellement demain, le vendredi, avec FunFan, mais il faudra que je relise son agenda. Et moi-même, je sais pas à quoi je joue demain. Pff, improvisation totale comme aujourd'hui. Pourtant, t'as énormément de jeux dans Steam maintenant. Tu sais quoi faire, hein. Oui, non, mais c'est même en partie pourquoi je me suis lancé sur Twitch. J'ai la chance d'avoir une ludothèque faramineuse. Et que j'ai pas lancé les deux tiers de mes jeux. Alors, et encore, tu vois, ah, oui. je ne résiste pas à l'envie de vous refaire des jeux que j'ai déjà fait deux fois. Parce que je sais que et le plaisir va être là. Non, puis c'est le plaisir alors, Twitch d'être avec vous. Qui sont peut-être bien mieux. Eh ben, fais vœu que je vive vieux, que nous vivons tous vieux, et nous allons vivre des heures merveilleuses dans les années à venir, à s'éclater comme des gosses. Voilà. Tout ce que j'ai à déclarer. Oula, j'ai un petit bug d'affichage au niveau du Tokiwoki. Il devient un peu space, là, de nuit. Alors, que je me familiarise avec mon... C'est ça, le fusil de snipe, alors? Bah, c'est celui que j'ai shippé à mon collègue. Mercenaire. Pas de shippé. Je l'ai ship. Oh, un récent routier. Avec plein de camions. Fun fan qui dit il faut lui expliquer qu'il n'y a pas que Steam dans la vie. Vraiment là nous. Ah. Ah là là. On rejoint plein de jeux. Bah GOG. Honnêtement GOG a l'air pas mal non plus, mais je pourrais difficilement en parler puisque je l'ai découvert avec Fun fan et je m'y suis mis au moment où il a commencé à me convertir à la plateforme. Mais GOG a l'avantage d'avoir ses petits trésors aussi. Hein. Le peu que j'ai vu, il y avait des trucs intéressants. Bah non, dans Steam aussi, il y en a. Hein. Oui, bien sûr. Ça y est, FunFan ah oui. Fait son troll et dit vous pouvez... Oh. Vous le gardez là où je pense. Ça parle mal. Oh, je vais essayer mon fusil de snipe maintenant. C'est ça. C'est ce qui va se produire dans 2 minutes. Le temps que je trouve une meilleure position de tir. Tu vas pouvoir vider une olive au loin, là. Encore que tu... Alors, la végétation est traître. Oh. Attends, je suis pas sûr que c'est un homme ou c'est un élément de décor. Ah non, c'est un monsieur dame, peut-être. Non, c'est un homme, il est en train de pisser. Il est mort. Non, c'est une dame. C'est une dame, en fait. Mais je suis en train de viser en sniper. Et là, j'ai un écran du jeu qui me dit « Tutoriel, les armes laissées par vos ennemis sont souvent en mauvais état. Mieux vaut ne pas trop compter sur Zelle. » Pourquoi il me met le message au moment où je suis en train de viser un mec et de l'allumer? Ah, faut t'embêter. Oui, mais là, c'est débile. L'apparence d'une arme peut être mauvais état, blablabla, sale, cabossée, rouillée, elle en a plus pour très longtemps. Débloquer et acheter de nouvelles armes dans l'armurerie, les armes neuves ont une fiabilité maximale. L'arme que vous utilisez est enrayée. Appuyez sur le bouton molette de la souris pour la décoincer. Avec plaisir, tiens-toi prêt. Pardon, je réponds à mon adversaire. C'est pas les carabines de Fetouren qui sont en truqués là. C'est ça. Je pensais que c'était un tonton d'explosif, mais je me suis planté. Ah, je me disais bien que j'en avais pas fini. Ah, alors là, la végétation me pose problème. Ah merde, il est... Oh, ils sont plusieurs. Merde. Alors l'hôte a le temps de me pendre à revers et c'est dangereux. Tu peux faire un ourlet? Ouais. N'en parle pas. Merde. Ah, j'ai perdu de trace. Tiens, une voie ferrée. Attends, c'est le mec qui a bougé? Non, négatif. C'est pas un humain ce que j'ai vu. Oh, ça bouge là-bas.
Il y a du mouvement dans le buisson. Si c'est pas un humain, c'est peut-être une humain, peut-être. Et planqué dans le buisson, je serais vilain, je dirais que c'est peut-être un corse. Il est dans le maquis. Oh. Ah, je vais vous laisser. Ah bon? Ah bah, à plus. Ouais. Merci, Twinsen. À plus tard. C'était rigolo pour l'animation. À plus, mon cher Twinsen. Bonne soirée. Ouais. Oh, tu dis ça avec un enthousiasme, mon pauvre. Oh, fun fan. Qui s'exclame des vacances. Oh, qu'est-ce que c'est que cette scène? Bizarre. Oh mon dieu! On a les yeux qui clignotent en regardant cet écran. On a les yeux qui clignotent. On a les yeux. Mmh. Oui, je sais, ma mission est là-bas. Il n'y a pas un diamant dans le coin? Non. C'est le boxon qui apparaît ici. Ils auraient pu planquer des trucs. Bon, on peut déjà en conclure que la voie ferrée n'est plus utilisée. Vu le bazar qu'il y a dans le secteur. Ah oui, c'est vrai que je peux générer avec des explosions avec les bonbonnettes de gaz là. Elles sont encore plus discrètes que dans Dying Light. Ça fait plaisir ça. Poste de garde perquisitionné. 3 de 57, si j'ai bien lu. Si j'ai bien lu, poilo. Je vais re-sauvegarder. Attends, mais c'est quoi? C'est un wagon qui a déraillé? Ouais, ils s'en servent comme... Mais attends, ma cible du poste de police... Ah, c'est par là-bas? Attends, je... Mais non, attends, je suis loin, là. Non. Il vaut mieux que je passe par là. Et que j'aille à l'assaut d'un poste de sauvegarde. Alors, rebelote, hein. Je vais faire l'aficionado excité de la sauvegarde, mais... Ça va me permettre de bien avancer et de pas de me faire avoir. Eh bien... Alors théoriquement, sur le papier, par rapport au scénario, je viens de me faciliter la vie pour abattre le chef de la police qui va être terré dans son commissariat ou je sais pas quoi là, sa planque de mes deux. Mais, vous l'aurez deviné par rapport à ces deux premières heures de jeu musclé, rien n'est jamais gagné d'avance. C'était obligé. C'est l'expérience ancienne du jeu qui parle. Et là, j'ai carrément le radar incorporé dans le... En fait, je pense presque comme si j'étais un développeur du jeu. J'ai naturellement le radar à diamant dans le crâne incorporé. C'est beau. C'est beau, c'est propre. Oh, c'est quoi ça? Bizarre. Ça doit être un poteau directionnel. On est d'accord, il n'y a personne au carrefour. Merde! Il y a du monde. C'est qui ce type? Ah, je crois qu'il m'a remarqué.
Oups, oups, oups. Ah, la malaria fait effet. Pas mal, hein, l'Afrique de nuit. Il y a de l'ambiance. Africa, Dieu, belle Africa. Où sont tes yeux du conquérant? Bon, l'endroit est vachement délabré quand même. Pas de mal au diamant là-dedans, là, l'espèce de fourgon. Non, il a cramé. C'est vraiment une épave complète. Alors. Le truc qui m'intéresse, c'est par là-bas. Ah. Non, sérieux? Ne me dis pas qu'il y a encore personne. Mais tout le monde s'est barré, c'est pas possible. C'est une blague. Bah, je peux pas revendiquer la... Vous tirez à travers le volet. Infiltration. Non, non, c'est barricadé à mort. Ah, le mec est là-bas. Alors, il est tellement débile que je vais me faire au lance-flamme. Ridicule. Mais merde, il est où l'autre mec? Pourquoi je peux pas revendiquer ce poste? Je comprends pas. Il est interdit de fumer. Vous voyez quand je vous disais que le feu se propage à une vitesse folle sur des grandes distances? Et là encore, c'est pas mal. Y a pas mal de rochers. Hein. C'est, merde, je crois que la planque est partie pour cramer. Ouh, ah bah oui! Ah bah voilà! Merde, je vais retirer. Je suis obligé de me barrer en contrebas. Bon, ça va. Si je prends feu, il y a la rivière. C'est qui ce mec? T'es qui toi? C'est un mec qui pêche. Ok. Bon, une fois que la rôtisserie aura fermé, je pourrais peut-être revendiquer mon point de sauvegarde, non? Ça va, il y en a qui ont la belle vie, partant de guerre. Comment je remonte? Merci. Alors. Ah bah, vous voyez, c'est du tout cuit. Ah, ah. Voilà, ça flambe encore sur la colline. Ah, il fait moins le malin, le mec. Oh, le mariole. Non, on est d'accord, il peut pas y avoir de mec sur le toit. Mais c'est pas vrai, je peux pas rentrer à l'intérieur. C'est une farce. C'est une farce. Ouvre-moi la porte. Nya 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 nya. Attends, il y aurait un deuxième larbin, mais il est où? C'est pas possible. Le secteur a flambé, mais c'est nul.
Je devrais pouvoir revendiquer le poste. Je sais pas si c'est un bug. Ouais, pyromane. Ah oui, je vais faire pas mal mon pyromane dans le jeu là. Ça va y aller. Parce que c'est une technique en soi. Donc non, mais là j'ai l'impression que le jeu bug. Ou alors je pourrais revendiquer une fois que j'aurai accompli ma mission avec le poste de police. C'est un peu nunuche, mais bon. Alors. Est-ce que je peux grimper par là-haut? Oui. Je crois qu'on va commencer à rigoler. Je crois. La 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 la. Oh là 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 là. Il digère les balles, c'est pas possible. Avec le sage, les armées sont des mangas. Ah! Merde. C'est pas plus haut qu'il m'a eu le gars, si je crois. Y'avait un snipe. Oh, je peux allumer du monde. Vas-y voir que je m'amuse un peu. Comment ça marche? Oh, efficace. Ça me plaît. Merde. Ah. L'Afrique, adieu, belle Africa. Où sont tes os bleus du camp? L'assaut se passe plutôt bien. Merde, j'ai plus de balles. Oh. Merde. C'est pas au 9. Ah, puis il y a une bagnole qui se pointe. Ah. Bâtisse en dur. Wow. Alors si le gars se pointe avec sa Jeep, j'ai une petite surprise pour lui qui s'appelle une grenade. Enfin. N'essayez pas de me déconcentrer. Non? Ah, je crois que c'était un mec. Au moins, ça va me permettre de faire diversion. Dégoûté. Avec mes sabots, en passant par la Lorraine, avec mes sabots.
C'est ça. Reste-toi un peu planqué ici. Et si t'as des médocs, il est temps de les prendre. Allez, Rince, on n'est pas loin de l'arrivée. Finissons-en. Je garde ton cul. Hey mec, Max, fais quelque chose. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots, on est bon. En passant par la Lorraine. Sinon, je te couvrirai donc, et ta famille aussi. Tu l'auras bien mérité. Pour qui vous prenez-vous? Qui vous permet de venir ici et d'émettre un jugement? Ce sont des affaires privées. Respectez-le. C'est quoi que je dois faire? C'est la map? Oui, qui est là? Qui là, t'es qui? Oui. T'es qui là? Oh là là, t'es qui là? Para 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 papa. Ouh là là. Para 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 papa. Oui, qui est là? Tabara para. Para para. Down, ouh là là. Ouh, il y a des diamants tout proches. Ouh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. C'est ça. Pourquoi j'ai pas pu décrocher le téléphone? Ah, il y a eu un bug. Vous avez un nouveau message. Bien joué. L'adjoint du chef s'apprête à livrer les armes. Je prends position. Rejoins-moi et on arrêtera le convoi ensemble. Cool. Ça me plaît. Et ben voyez, ça fait plaisir d'avoir des coéquipiers. C'est la manière dont je me suis fait abattre, j'étais deg. Heureusement qu'on a droit à un joker. On a tous droit à un joker. Oh les pneus. Merci. Mon cher coéquipier mercenaire. Quick. Quick. Donc, il y a un diamant quelque part parce que j'ai vu le radar à diamant s'exciter. Ah, là-bas. Oh. C'est moi ou on m'a tiré dessus? La musique s'excite à nouveau. Tu me diras, je suis pas... Ouais, j'ai mon coéquipier mercenaire, mais... Ah merde, couvre-moi! C'est où que ça se passe? Cool. Il y a personne? Bah merde alors! Qui c'est qui nous a attiré dessus? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En amont, peut-être. Non, je pense pas qu'il y ait... Ah, c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Aussi bizarre qu'étrange. Oui, non mais vous pouvez faire mumuse avec les commandes vocales, va. Ça fait partie du jeu, hein, sinon j'en aurais pas mis autant. Ça m'éclate tout autant que vous, au fond. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où vous me surprenez, donc... Bon, après une telle victoire que je crois pouvoir revendiquer, je vais chercher le 10 diamant en question et je vais faire une petite pause de 5 minutes, vous inquiétez pas. Le temps de me refaire de la flotte, d'aller faire un petit pissou. Oh, vous avez vu? La mallette, elle est sur le toit. Je vais avoir besoin d'un véhicule pour monter sur le toit.
ça devrait suffire. Je pense que en montant sur le capot puis le pare-brise, presque. Merci. Oh, 9 sur 221. Joie. Joie, joie, joie. Ouais, ça en fait des munitions. Oh, regardez-moi ce carnage. Oh. Ouais, sinon par rapport au matos que je peux avoir sur moi dans l'immédiat, je suis au taquet. Ah, c'est sûr que la fin du jeu est plus marrante que le début, mais c'est normal. Il y a toujours une progression dans le dans les récits vidéoludiques. Ouf, j'ai tout fait tomber. Bon, la petite pause s'impose. C'est vrai que je commence à avoir presque mal à la gorge. J'ai pas du tout. J'ai pas dû boire depuis 2 heures et je ne suis pas seul. Merde, qui c'est qui vient de m'avoir là? Ou c'est moi qui ai fait éclater un truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop là. Non, je peux pas. Si, je peux. Je triche. C'est vrai que je suis pas monté sur la vigie là. Qui c'est qui gueule? Mon coéquipier mercenaire ou un ennemi? Non, c'est un copain lui. C'est copain mercenaire, sinon il m'aurait déjà battu. Heureux, mon cher Saul Goodman. T'arrives au moment où je vais faire ma pause de 5 minutes. Mec, t'es mal, là. Fais quelque chose. Bah, j'ai pas de quoi éteindre l'incendie, je suis désolé, mec. Mais l'ambiance africaine est folle, Saul. T'as pas idée. J'adore ce jeu. Je monte sur la vigie qui, j'espère, ne va pas flamber. Oui, tu vas voir que je vais flamber dans la vigie de bois. Hop là. Avec un peu de chance, vous allez voir le... Je reviens. Vous allez voir le soleil se lever. Je vous laisse admirer l'incendie. Je reviens dans 5 minutes, les copains. D'ailleurs, je pense que je vais mettre la lumière artificielle dans 5 minutes. Je reviens. Bonsoir. Salut, Saul Goodman. Et là, j'en profite pour dire une vacherie sur le dos de Usage et je m'en vais de l'avocat juste avant qu'il rentre des toilettes.
Il est tout sale son fusil. Ah, il faut qu'il le nettoie, il est tout plein de poussière. En tout cas, les décors sont chouettes dans son jeu. Soit dit en passant, je trouve que les couleurs de son stream, par rapport à la bande qui est au-dessus, il y a l'heure, tout ça. Je trouve que c'est plus terne que au niveau des couleurs, sur l'image. Principale, sur l'image principale, ouais. Enfin, je vais couper le son parce que ça me perturbe. Voilà. Donc comme ça, je peux parler en même temps. Sans que je sois perturbé par ma propre voix. T'étales sur moi là, tu m'empêtes, tu me t'étouffes ma main. Oui. Oui. Et tu dis rien? Oui. Comment je bouge la souris maintenant? Tu l'as bloqué avec ma main. Oui. Ah, tu me tiens chaud à la main la réglisse. En plus il passe cap du casque s'il te plaît. Là tout à coup j'ai tapé une ligne de commande et je vais prendre les commandes du jeu du sage et je vais effacer toutes les sauvegardes. Non, toutes les ordres. Tu vois que ça, je bouge trop la souris, du coup ça te dérange. Hop, on tourne en position de chat de faïence. Me revoilà les copains, excusez-moi, ça a été un petit peu plus long que prévu. Oui. J'ai eu un événement quelque peu inattendu, mais joyeux, heureux. Ça a croisé un chat. Il y a un agent du service public qui a eu la gentillesse de déposer sur mon pas de porte un lot de, vous savez, des poubelles. Ah oui, les poubelles, ouais. Qu'on appelle ça, les rouleaux de poubelles, voilà quoi, pour les déchets. Et je me disais, mais tiens, je vois un truc d'inhabituel sur le pas de ma porte. Oui, tout à fait. Et bonsoir, message. Et bonsoir, mon cher Nayonet. Qui, voilà, ça a été gentiment déposé. Donc du coup, le temps de rouvrir ma porte, de ranger et tout, ça m'a pris plus de temps, excusez-moi. Mais au moins, c'est bien, c'est rangé. Oula. Wouh, je retourne à l'aventure. Donc, quand j'étais dans l'avocat, j'ai dit plein de vacheries dans mon dos. C'est dégueulasse. Quand j'étais dehors, ouais, voilà.
Bah c'est bien, merci d'avoir fait l'animation et d'avoir comblé le vide de mon absence. Ouais, je faisais des blagues, enfin des courtes blagues, et puis j'ai juste dit que j'ai trouvé que la bande de couleur de la bande. J'ai arrêté le camion de tête. Viens moi, je vois pas. Oh là où il y a marqué Far Cry, tout le symbole de LSDN, les chiffres. Ouais. Et c'est plus coloré que le jeu lui-même. Et la plupart de tes jeux en fait sont moins colorés. Alors je sais pas si c'est dû au HDR ou je ne sais pas quoi, mais ça fait un petit peu terne en fait. Je pourrais pas dire. Ouais. 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 Alors, le mercenaire qui m'a donné un. C'est pas vrai. Ça a le téléphone qui arrête pas de sonner. Dans le jeu, ouais, je parle. Tu es la pire des ordures. Ah, je croyais que t'avais dit. De tapis qui doit harceler. Hey mec, t'es mal là. Fais quelque chose. Alors, je viens de me faire allumer au téléphone. Le gars m'a dit que j'ai laissé crever. Ah, Saul Goodman qui dit Far Cry 2 Dying Light, c'est très terne dans les couleurs. C'est sûrement pour ça. Ah, ok. D'accord. Ouais, je sais pas, c'est peut-être les jeux choisis. Je pourrais pas dire honnêtement, je suis pas suffisamment observateur pour. Non, génial. Merci, ça. J'ai tellement bien encastré la Jeep pour monter sur le toit que. Attends, le mec il s'est mis à gueuler en me disant se rendre là où une mission est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais recharger ma mission parce que. Du coup, j'ai peut-être fait pause à un moment où c'était pas opportun de faire pause. Attends. Ah, oui, sauf que t'as pas mis en pause le jeu, y'a pas de pause active, quoi. Voilà, donc je l'ai dans l'os. Et le mec croit que je lui ai posé un lapin. Ah merde. Donc du coup, je vais pas décrocher le téléphone pour essayer d'avoir le jeu. Éventuellement. Ah bah j'ai pas vu dans mon journal d'appel, excusez-moi. Exactement. Ou alors, oh j'ai garé le fax, excusez-moi, je pense que j'en ai fait. C'est ça. Ah non, mission terminée. Merde, j'aurais pas dû faire pause comme je l'ai fait. Je mérite de mourir. Je me suis laissé abattre, c'est horrible. Ah merde. Eh ben, je ferai attention la prochaine fois. Saul Goodman qui précise, Far Cry 3 est beaucoup plus coloré, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est des îles pacifiques, des îles tropicales. L'Afrique, c'est différent. Oh, c'est quand même joli, l'Afrique, non ? C'est pas les mêmes teintes de couleurs. Quand on regarde, comment ça s'appelle Kirikou, ça compte pas. Non, le Wakanda, j'ai vu le dernier Marvel. Hey, là, mec, bon, je pourrais c'est pas dire. Il y a aussi, j'ai oublié le nom du film avec. Ouais, Vas, voilà. Vas Monténégro, ouais, le méchant emblématique du troisième opus. Mais... Je suis en train de chercher le nom du film avec. Merde, donc je suis en train de me tirer dessus. Il est où le gars qui m'avait allumé tout à l'heure? J'arrive même pas à voir où est-ce qu'il est. Attends, j'ai vu un gars courir par là, mais je sais pas. Non, c'est mon coéquipier. Hey mec, t'es mal là, fais quelque chose. Mais pourquoi, il y a encore un mercenaire? Qu'est-ce qu'il me raconte mon coéquipier? À l'entendre, il y aura encore quelqu'un. Ah oui, je me fais allumer. Bah, il est où le gars qui m'a tiré dessus? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi je vois pas ma cible? Mais là, j'ai l'air d'un gros nigo. Un bon nigo d'agneau. Ouais. C'est ça. Ah, je peux passer là. Banane je peux passer par là. Alors. J'ai pas...
Merde. J'ai tiré sur une caisse à munitions. Voilà le résultat. Bah mince alors. Ah, je piche plus rien. Ah non mais sérieusement, je piche plus rien là, j'ai pas compris bon bref. Vous avez un passage, toi, nouveau message. Tu m'as laissé crever ici. Tu es la pire des ordures. Ouais, comme ça. Non, pas par là, là c'est bloqué. Je suis cassé le câble. Bizarre, franchement bizarre. Bon, le mec il est vénère, il a pas aimé que je le lâche. Wow. Ah, il y a des missions armurerie. Ah, il veut jouer, Rignes. Il veut jouer. Ah, il a bien raison. Puis heureusement qu'il n'y a plus de disque dur dans ma tour, bordel. Il vient de sauter, il a bougé la tour en donnant un grand coup de dent. Oh là là. Oh, le flic, il va me laisser passer. Voilà, merci, monsieur l'agent. Même si j'ai pas la prévenir, je la prends quand même. Et il me donne pas d'amende. D'ailleurs, dans ATPDS, le patch est sorti aujourd'hui, le PDS 2. Ok. Version 3.47. Et notamment un détaillé plus important de la carrière du joueur. Ah. Et je me suis aperçu que sur APS, il y avait effectivement un bug à un moment que je passe de 105 jours à 9000 jours. Oui, c'est pas un petit bug ton histoire. Alors, c'est parce que je suis allé à l'époque, avec un pote, on a joué à en ligne grâce au. Qui n'existait pas, le multiplayer intégré dans le actuellement sur le jeu, ça n'existait pas. Il y a ce qu'on appelle le module qui s'appelle Trucker NP qui permet de jouer en multijoueur sur des serveurs qui sont ailleurs sur internet. Mm-hmm. Et quand je suis connecté, ça va changer complètement le nombre d'heures que j'ai joué. C'est passé de 105 à 9000. Et pas moyen de manipuler des fichiers. Pour toute fois, j'ai jamais trouvé, j'ai fait des tentatives et que dalle. Du coup, bah, j'hésite à tout recommencer, mais j'ai quand même, j'aurais calculé 330 jours de jeu réel dans le jeu. Hein. Mmh. Donc, enfin, de jeu réel. Oui, non, mais on comprend, oui, ça fait beaucoup. Et ça fait un peu mal, quoi, de devoir tout recommencer. Il y a juste ce bug-là, et sinon tout le reste fonctionne. Il y a Saul Goodman qui te suggérait, qui te disait Black Panther, pour une interrogation. Oui, Black Panther, oui. Black Panther, voilà, c'est ça, Saul Goodman. Black Panther. C'est coloré, je trouve. Mmh. Black Panther 2 et le 1 aussi. Oh merde, merde, saute. Oh, oh, j'y viens d'esquiver une roquette. Ouh. Oh, tchou. J'ai voulu faire le mariole, mais là, ça a failli me coûter cher. Non, je peux te laisser light. Ouh. C'était rigolo. La scène était marrante. Ah ouais, la mission flingue était pas toute proche. Oh, si, il y a des animaux, j'ai rien dit. Bah, ma mémoire, là, c'est des buffles. Ma mémoire m'avait trahi. Mais si, il y a un peu de vie quand même, il y a un peu de faune. Merde, il y a une patrouille. Faut que je fasse profil bas. Oh, il faudrait que j'aille par là-bas, moi, normalement. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Apparemment, ils m'ont pas repéré. J'ai bien fait de rester accroupi à côté de la voie ferrée. Hmm.
pense pas que je vais utiliser souvent la machette. Hein. Là, je vais me faire voir. Non. Non, il m'a pas vu. Oh, mais c'est un mauvais vigile. Ah, oh, j'étais même pas compris, il m'a même pas vu. Oh, le clampin. Oh, mais c'est une blague. C'est quoi ici? Hein? Mmh. Oh, il y a des buffs qui vont traverser le point de contrôle. Mais Far Cry, je vais rigoler aussi quand j'aurai mes premières mines. Quand on voit les patrouilles, qu'on les repère et qu'on pose une mine. Le spectacle est jouissif. C'est redoutable, mais c'est d'une efficacité. C'est waouh. Ah, une armurerie. Une armurerie. Alors attends, déjà je vais renouveler mon stock de. Je me vois pas acheter une nouvelle arme, mais si je pouvais. Reprendre le bon matos. Mmh. Et ce sera mon fusil de snipe, ce serait celui-là en fait. D'ailleurs, je vais faire un peu de pub pour ETS. Dans les mises à jour, il y a eu non seulement le truc carrière plus détaillé, il y a aussi le plan fond. On peut acheter des containers de gaz, des remorques de gaz. Oh vache! C'est des containers un peu comme des containers de nourriture, de fuel et tout ça, c'est mmh. Pour le gaz. Mmh. Résister à une pression forte, contrairement au fioul, une pression forte. Mmh. Et voilà, du coup, j'en ai acheté une dans ATS et dans ETS pour mon bien personnel du jeu. On dirait que tu t'y connais pas mal en embuscade. J'ai peut-être un marché et à proposer. Voilà. Mon concurrent ramène une cargaison d'AK-47 et d'autres merdes bas de gamme. Elle arrive du nord-ouest. Si tu fais en sorte que le convoi n'arrive jamais, je te promets que je te garderai quelques bons petits jouets pour la prochaine de voir qu'est-ce qu'ont ajouté les différentes versions de patch. Mmh. Alors attends, parenthèse pour FanFan, non, je me suis pas fait choper par la patrouille. Parce qu'il dit, est-ce que toi, tu t'es attrapé par la patrouille pour Nayonet? Ah oui, 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 j'ai fauté, j'ai sorti ma grille, excuse-moi, je recommencerai plus, on me prendra plus. Ah. Ah. Mais moi, je me suis pas fait choper par la patrouille. C'est exactement ce que je voulais entendre. Que je libère le chat, comme j'ai le jeu en plein écran et j'ai qu'un seul écran, FanFan. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, il avait deviné. C'est pour ça que je me fais lecteur pour l'occasion. Merci. C'est où? C'est là, voilà. What's new? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, c'est pour la porte d'à côté, la vache. Message de FunFan 1992. Le logo de la trousse de soins, on aurait dit celui des Lucioles de The Last of Us. Ah! M'en souviens plus, mais ouais, c'est possible, je te l'accorde. Et ben voilà, c'était le fameux poste. Et alors, j'ai le droit de le revendiquer. Ah! Je peux enfin revendiquer ce poste. Tire pas. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et ici pour briser des crânes, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est un autre type dans les parages, au cas où les sur choses la se passent mal. Il y a une simulation de surface inégale. Oh, c'est marrant ça. Et moi, j'ai un partenaire qui est gravement malade. Il a pire que. Merde, qu'on s'appelle Parkinson. Il a la tremblote, mais version extrême. Ouah. Il se téléporte. Ils ont aussi. Oh, il y a aussi des livestock. Oui, il est hyper actif. C'est ça, ce Goodman. Exactement. On va dire ça. Alors, là, pareil. Je vais abuser de la sauvegarde, mais. Si je peux. Faut pas que le jeu plante. Merde, le jeu a planté au moment où je voulais sauvegarder. Oh là là, le troll du jeu, c'est honteux. Yeah. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai souvenir à l'époque quand j'avais joué de quelques bugs où tu te retrouves violemment sur le bureau de Windows, ce qui vient de m'arriver là quasiment. Back mais... desktop. Pas autant que ça. Bon, tu me diras, aujourd'hui on est sous Windows 10, donc les conditions sont pas les mêmes. Mais. Wouh. Alors.
Oui, avec les tissus du rue. Dommage. Oui, merci pour le clip, fan. Oh, il y a de quoi faire. Là, des clips, pour ce que j'ai fait cet après-midi, à mon avis, il y en a un potentiel d'une dizaine, facile. Faudrait que je trouve le temps de me revoir, parce qu'il y a des trucs marrants. Mais merci, fan. C'est apprécié, comme on dit. Mode histoire, charge... Ouais, continuez, très bien. J'aime beaucoup le dessin du loup, ou du chacal, justement, dans le livret d'intro. Attends, je rebois ma nouvelle bouteille de flotte, et je voulais faire quoi, je sais plus. Alors, livestock, je sais plus ce que c'est comme animal. Attends, je vais chercher. Oui, je veux bien, merci, parce que... Non, mais laisse-moi faire ce que je veux, Internet. Laisse-moi faire ce que je veux, Internet. J'aime bien la manière dont tu le dis. Belly, c'est bon. Hey mec, t'es mal, fais quelque chose. Alors, oui, je suis mal parce qu'en plus il faut que je retrouve le. Oh, j'avais mon diamant. Mon précieux, il est où? Ok, il y a gros bétail classique. Ok, puis il y a. Ah, on peut peindre. Oh, mais c'est génial. Oh, tu vas m'amuser, tiens, je vais les acheter. C'est parti. Tac. Là, je vais gérer. Alors, faudrait pas que ça arrive trop souvent parce que c'est vrai que ce genre de déconvenu, ça ruine l'expérience de jeu, c'est désagréable. Pourquoi j'en ai pas? Ah, voilà les buffles. Mais ils ont fait. Mais là, là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce tarmac là? Alors, que je lise bien ma... Vous avez un nouveau message. Tu m'as laissé crever ici. Quelle bande de... C'est la pire des ordures. C'est pas possible. J'ai plus ma banque. Ils ont viré sans me rembourser. Oh là là, ça me plaît pas, ça. C'est par là-bas qu'il faut que je... Bon appétit, oui, à plus tard dans la soirée. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, là, je vais faire relais de chaîne tout à l'heure chez Poupon dans une grosse heure. Bon app, oui. Moi, je mangerai plus tard, là. Du coup, je suis un peu décalé, du coup, dans ma journée folle. Et puis, j'ai plus soif que faim, pour le coup, dans l'immédiat. Je suis bien content de siroter par petite gorgée ma bouteille d'eau. C'était sûr. Ah, les malins. Comme tu dis. Ah là, dans une type de VK d'Ajul. Ils ont tout changé. Uh-huh. Ah là là. En même temps, s'ils viennent me chercher, j'ai pas le bon flingue. Ouais. Tac. Allez, au pas de course. Alors, soupir. Des petits ventilateurs comme sur les PC, n'importe quoi. Alors, à quel... j'ai fait le 1. Le 1, je crois que j'ai quelques vidéos que je vous ai déjà balancées sur ma chaîne YouTube qui date d'il y a 10-15 ans. J'ai bien aimé le 1, sachant qu'il est vachement modé, mais j'ai jamais fait de mod sur le 1. J'ai peut-être tort. Il y en a peut-être des bons. Mais... Donc le 2, là, c'est la troisième fois que je le fais avec vous. Donc j'ai connu les deux fins différentes de ce second opus. Le 3, je l'ai fait une fois et demie. C'est-à-dire que je l'ai fait une première fois sur PC, mais à l'époque, mon ordi était juste à la bonne puissance. Mais sur la fin, ça ramait trop et ça crachait, je crois. Donc j'ai arrêté. Et j'ai racheté Far Cry 3 sur la PS3. Et là, je l'ai fumé tellement que j'ai aimé le jeu. Je l'ai fumé à 100%. Qui plus est, je rappelle l'anecdote. C'est avec le troisième opus que j'ai appris à jouer au poker. Puisqu'on peut jouer avec les mecs dans les bars, au poker. Et c'est comme ça que j'ai appris les règles du poker. C'est dans Far Cry 3. J'ai également acheté le 4 sur PlayStation 3. Mais en fait, il est trop dégradé. C'est un jeu qui met sur les genoux la PlayStation 3. Et je suis pas allé loin. J'ai dû faire à même pas 10% du scénar. Parce que je me dis, il vaut mieux que je le rachète plus tard sur PC et que je le fasse avec les options graphiques au moins moyennes. Et à partir de là,
j'ai pas fait d'autres Far Cry. Je sais que les derniers, ils sont pas dégueux. Entre le Primal, la préhistoire, et les suivants, là, les Fardarm, là, je sais plus quoi, je les ferai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le Primal, mais il m'a l'air un peu mal fait, non ? M'intéresse. Et... Je peux pas juger. Je. Voilà. Je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai l'air d'être assez archaïque. Enfin, on dirait que tu t'y connais pas mal en embuscade. J'avais joué au premier au 1, j'ai galéré, j'ai jamais dépassé. Mon concurrent ramène une cargaison d'AK-47. Saul Goodman dit que lui, il a appris à jouer au poker grâce à Red Dead Redemption. Ouais, c'est marrant. Oui, le Far Cry New Dawn. Enfin, tu sais, tous les suivants. J'aime bien, le Far Cry, j'aime bien depuis le premier. Mais le 2, sur les 3 que je connais, les 3 premiers, j'ai un affect particulier pour le 2. L'ambiance africaine, je l'accroche. La narration du chacal avec ses cassettes et ce qu'il donne de détails crus, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont inspirés de vrais récits de mercenaires. C'est horrible, mais c'est captivant, c'est prenant. Je vais la mettre sous la remorque, je vais la mettre là. Allez, c'est parti, une streamer gratuit, payant 123 000 euros. C'est parti. Je me connecte au... J'allais dire au phare qui attrape là, mais au marché d'armes, mais bof. Non, mais je vais déverrouiller mes trucs. De toute façon, je suis content avec ce que j'ai déjà. D'avoir mon petit flingue de snipe, c'est ce que je voulais. Alors, si ça m'intéresse, même moi, ça va. Alors. C'est pas la porte d'à côté. Je vais peut-être avoir un véhicule au niveau de la planque là où il y a mon copain mercenaire. Ouais, je préfère le fusil de snipe sur moi. Ouais. Je veux bien un truc de pharmacie d'ailleurs. Ouais, il y a des vaches sur deux étages. Est-ce qu'il va rebugger ? Amène-moi à ton chef. Qu'est-ce que tu fous dans le coin, man ? T'es ici pour briser des crânes. On peut transporter du cochon maintenant. Ce qu'il te faut, c'est un autre type dans les parages, au cas où les choses se passent mal. Un type comme moi. Il a pas bugué, là, j'ai pas compris. Cool. Alors, Carbani, hein, ça craint. Chacun, je te le fais pas dire. Je vais prendre une Jeep de guerre. C'est parti, mon kiki. C'est parti. C'est ça. Aïe. Attends, elle est où la route? Et il est stock. Ah, la gueule. Alors, je crois qu'il faille aller au nord. Il n'y a pas. Plein phare, à fond les ballons, de nuit dans la cambrouche, je me fais repérer. Oh. Il est à l'eau, allons-y, je suis prêt. Ah. Oh, magnifique. Comment je l'ai eu, mec? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Mais il est débile. Bon. Oui. C'est quoi ça? Ah, c'est des munitions. Ah! Merde. Il aurait pu m'avoir... Je crois que je l'ai eu. Moi par contre je vais avoir chaud. Je vais avoir chaud. J'espère que tout va pas exploser. Sinon je vais crever. Je t'ai vu. Merde. Ah merde, d'accord, il faut que je... Ah bah merde, Oum. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Mais il est idiot. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le café. C'est ça. Attends, je suis en mauvaise posture, moi. Tire, tête, il vaut même pas ce qu'il fait. C'est l'idée. Oh merde! C'est impossible! Il doit y en avoir plus! Oh la petite grenade! Je suis pas tombé. Je te vois.
Merde. Ouf, je me suis fait allumer. Le petit décalage de la moule. C'est le décalage du stream, je crois. Ah. À la gueule, comme à la gueule. Youhou! 4 postes sur 57 que je m'apprête à perquisitionner. Il est où le mec qui m'a allumé? Oh, le chaos! Le strike que j'ai fait avec la grenade au milieu des véhicules. Oh, tiens, j'en ai gagné une autre. De grenade. Attends, il est où le mec? C'est ça, en fait. Il est où le gars? Ah, il y a un gars là. Je l'ai eu. Il est sorti de sa planque. Quel est le gars qui m'allume? Ah, il est là-bas. Ouais, il m'a fait bobo aussi. Bien joué, il m'a bien blessé. C'est pas la de mise à jour. Ah, la mise au jour. Je pourrais même pas dire où est-ce qu'il était, le gars. Il était quelque part par là. Ok. Non, il était là-bas. Mais non, c'est un rocher, ça, c'est pas un cadavre. Bon, bref. Du coup, j'en étais où? Oh, il y a un diamant tout proche. Ah, ma cible est là-bas. Ah ouais. Attends, il y a un diamant. D'innocence. Non. Ici? Déconne pas. C'est devenu sniper élite. Ouais. Exactement. Ah, comique. Macodac. Effectivement. Option. Control. Replay. Alors adaptatif, vitesse, machin, plusieurs contrôles. Ah oui, la pompe qui est plus chaud, ça craint. C'est ça. C'est quoi ça? Ah non, oui, non, c'est, je savais, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que cette nouvelle fonction? Je vais tester tout de suite. Ah. Une nouvelle fonctionnalité pour le poète camion. C'est beau. Emergency Brake System. En fait, oh. Ça doit être un truc de ouais, full detection. Je vais essayer. Et Adaptative Cruise Control. Adaptation. Et là, tu vas te rendre compte que c'est un siège éjectable depuis ta cabine de pilotage. Du coup, tu t'écrases en parachute un peu plus loin. C'est ça. Et puis ensuite, ton camion est défoncé. Exactement. Ah, c'est ça le convoi, je crois. C'est ça le convoi. Moi, je me trompe, tiens. Ah, Dakodak. Bah alors, oh, un beau camion. Moi, je vais pas me faire suer. Je vais repartir avec le camion. Ah, mais le machin, il freine à ta place. Oh. Quoi. Attends, je vais essayer. Je m'improvise mécano. La 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 la. C'est ce que je pense, si je mets très court pour que ça me... Oui. Je perturbe pas. Attends, c'est où? Bordel. Ah, c'est là. Le camion. Je conduis à bord de la cible. Alors évidemment, ce qui peut être drôle justement, c'est... En étant à bord de la cible, c'est d'aller me projeter vers un truc ennemi et tout faire exploser. Je fais quelque chose. J'aime beaucoup l'idée. Hop là. Comme ça, je vais faire une pierre deux coups.
C'est les ennemis qui vont abattre ma cible. Je vais faire des économies de munitions. Et en même temps, je vais bien mettre le zouk. Le boxon chez l'adversaire. Avec un camion. Oh, c'est bien ça. Ouais. Alors, malheureusement, il est plus chargé d'explosifs. Mais... Ah. Ça aurait fait encore camion, un plus gros boom. Oh, il y a une mallette à diamant dans le coin, là. Camion piégé de la GLA. Désolé, pas de numéro. Service des postes. C'est de ça. GLA. C'est ça. C'est l'idée, elle est là, en fait. Excusez-moi, je reviens. Je t'en prie. À tout à l'heure. Alors, mon radar. Je me suis arrêté parce que mon radar a. Un mallette de diamant. Me suggère la présence d'un. Justement. D'un petit trésor dans le coin. Reste à savoir où est-ce qu'il est. Ah bah voilà. Ah oui. Le diamant d'innocence. Bon. Alors. Le camion, ça va faire boum. Je vais faire mon vilain. Bon, voilà, au moins que j'ai pas à refaire 50 fois la même manip. Je me permets d'être un acharné de la sauvegarde. Surtout que là, j'ai eu un peu peur avec le bug qu'on a eu tout à l'heure. Attends, mais je me dirige au bon endroit, moi, ou pas? Mais oui, je me dirige au bon endroit. Bonjour, je suis là pour tout faire péter. Il y a de la vie là. Oui, il y a de la vie. Bientôt, il y aura la mort. Il y aura la mortadelle. Il y aura la mortadelle. C'est du tout cuit pour vous, les amis. C'est du tout cuit, c'est pas joli, joli. Et voilà. Moi aussi, je crois que je vais finir par me brûler. Qu'est-ce qu'il fait? Pour le coup. Quand je vous dis qu'ils vont détruire pour moi le camion. Oh, commence à faire chaud aussi. Oups. Oh, il m'a eu. J'allais me soigner, mais il m'a eu. Alors, ça représente quoi le tableau juste à côté de la caméra? C'est le lecteur multimédia Winamp, quand je vous mets de la musique d'ambiance. Mais là, il n'y a pas besoin dans Far Cry. C'est un petit morceau de lecteur multimédia Winamp. Non, mais je t'en prie. Ah, mon Dieu! Il y a encore des hostiles. Ça doit être bien douloureux ce qui s'est fait comme opération. Hé hey mec, t'es mal là. Fais quelque chose. Bah heureusement que t'es là, gars, parce que tout seul, c'est dur dur. Oh. Ils ont déjà tous rôti ou J'ai l'impression. Bon, j'ai bien fait de de quitter la piste de pneus parce que j'aurais rôti. J'aurai rôti. Même le camion il est pas détruit, c'est scandaleux. Ah. Ah oui. Oui mais attends, je vais le faire exploser après le camion. Attends. Oui, il y a des explosifs là. Bon bah. Alors, comment bien faire péter un camion? Prenez deux bidons de nitroglycérine. Oula. Alors, attends voir. Ah oui, sauf que oui, il démarre vraiment plus là. Oh merdoum. Là, avec ça, je peux difficilement manœuvrer. Voilà, merci. Je vais le réparer pour mieux l'exploser. Enfin, si je peux. Non, apparemment, je peux pas. Bon, bah. Tant pis. Grenade. Bon. Ça va exploser! Oui! Ou pas. Bah alors. Merci! Oh merde!
Du coup, l'autre, il est sorti de son trou, mais comme un diable qui sort de sa boîte, quoi. Boum ! Oh merde. Je fais l'idiot, mais... Wow ! Oh ! Comment qu'il a écrasé ! Oh, c'est horrible ! Oh, quelle horreur ! Oh, c'était génial ! La scène d'action, elle était magnifique ! Wouah ! Ah, c'était sans sas ! Mais c'est con parce que j'aurais pu survivre ! Mais j'étais tellement mort de rire que j'ai lâché les commandes ! C'était franchement, c'était énorme ! Oh, c'était génial ! J'ai adoré ! Top départ à la vachette. Comment les mettre en panique? Alors le problème c'est que mon astuce peut se retourner contre moi. Attends, je vais essayer de sniper depuis les rochers. Avec un peu de chance, ils pourront pas m'atteindre. Et moi je vais pas retirer. Ouais bon bof. Pop, 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 je t'ai vu. Attends, pardon. Voilà, voilà. C'est un peu parce que... Voilà, voilà. Re. Oui, oui. Ah, j'ai vu du mouvement. Le problème, c'est qu'il faut peut-être que j'identifie ma cible. Parce que si j'abats mon coéquipier mercenaire, ça va pas le faire. Ah bah merci pour les clips, fan. Merci. Le mec, on voit, il boitait, j'avais blessé, et là, je viens de l'achever, c'est horrible. Pourquoi il parle, en fait, de la simulation d'altitude? Pour pas leur délire. La civilisation altitude. Simulation. Ah. J'ai mal prononcé le mot, excuse-moi. Simulation. Gameplay. Mm-hmm. Oh là 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 là. Graphique, peut-être. Mm-hmm. Non, c'est pas là. Ça a plus l'air de bouger. Boum. Wow, joli vol plané. Oh, comment qu'il s'est retourné comme une crêpe. Stylé. Ah, bah il y a un nouveau feu de savane. Oups. Le problème c'est que celui-là vient vers moi. Oh oh. Le vent est du mauvais côté. Le vent est du mauvais... Oh, je t'ai vu toi. Oula. C'est la guerre. Oh le bordel. Alors, tiens, j'ai un cadeau là. Moi aussi pour le cadeau. Oh merci, je t'en prie, ça fait plaisir. Oh, ça vous égale beaucoup. C'est ça qui est beau. Faut faire attention de ne pas abuser trop du accent africain en direct. Ah oui, le oui, prenez oui. Pas mal. C'est de l'admiration, c'est pas du tout raciste. Mais c'est vrai que la culture africaine, elle est riche. Hein. Je fais une mariole, mais... Il y a différents accents africains selon les pays. En plus, ouais, les dialectes. Selon les ethnies, en plus. En fonction des, ouais, des tribus, des peuples, il y a de ces dialectes. Je trouve pas l'option. Je sais pas où ils ont inventé ça. Ils ont inventé une mise à jour qui n'est pas apparue, alors j'ai rien compris en fait. Ah. Donc, faut que je passe comme ça en map, sinon ça va. En basculant, ça va cramer le trafic. Allez, 51%, c'est mieux que 98. Ils se sont tous barrés vu au chaos que j'ai généré. J'espère que j'ai pas liquidé mon coéquipier mercenaire. Parce que je te mets un bazar monumental dans la savane, moi. Là, je pars en guerre. Mmh. On va voir ça sur Steam. Tac, c'est parti. Mais c'est du délire. Bah. Ah non, ça pète pas. Bon bah ça pète pas. Mais non, je sais pas. Bon.
Alors, j'ai gagné ou pas? J'y comprends plus rien. Ah non, j'ai pas gagné. Qu'est-ce qui vient de se... Ah, la malaria. Ah, merci, merci pour les clips, mon cher fan. La malaria me joue des tours. Ouais. Alors, d'après eux, je peux pas revendiquer encore le poste. C'est parce que j'ai pas dû mettre ma patte au niveau de la réserve d'armes. J'ai encore le cadenas au niveau du... Merde, j'ai un mur invisible, là, c'est débile. Ah, c'est là, il fallait que je passe là. Ok, d'accord. Et là, il me le valide. Ok. Donc, la suite. Eh, attends, j'ai un diamant qui est tout proche. J'ai un diamant qui est... Oh non, ne me dis pas qu'ils l'ont mis dans le conduit, si. Ah, j'ai mal vu. Simulation de surface inégale, ok. Ah, là-bas. Non mais je peste parce que j'ai du mal à me mouvoir au niveau des rochers, des racines, des gros arbres, etc. Si tu veux, j'ai la mallette à diamant qui m'est presque à portée à 2-3 mètres devant moi, mais j'arrive pas à l'atteindre. C'est pour ça que je peste. Si tu arrives pas à te mouvoir, ne te moue pas. Ouais, oui. Alors, il y a un point de sauvegarde à revendiquer dans le coin. Oh. Oh. Ah bah c'est un zèbre. Non, bah je me souvenais plus des animaux. Mais voilà. C'est un magnifique zèbre. Je vais par là. Attends, elle est où la planque? Il y a une planque toute proche, mais elle est tellement bien planquée que je la vois pas. C'est beau. Ah, je crois qu'elle est là. Le zèbre, j'espère qu'il n'a pas de l'humour. Aïe, je suis planté. Pas bon. Tant pis. Est-ce qu'il y a mon coéquipier mercenaire qui est hyper actif, comme dirait ce Goodman? On va voir. Je vais rentrer dans la baraque. À défaut de la cacher, la baraque! La Barack Obama, je dis n'importe quoi. Ah non, il est pas là. Ah bah j'espère que je l'ai pas tué avec mes âneries. Je me dis qu'un de ces jours, ça finira par arriver. J'ai honte de cette blague, je sors. Oui. Bou. Bou, bou, bou. Non, je vais pas prendre cette arme. Alors... Bah si, il n'y a pas le frein. Mais qu'est-ce qu'il raconte le jeu là? Je l'entends dans un camion. Yo yo yo, mon cher booter boutique. Je suis en train de réfléchir, moi. Il faut que je revienne à la... Ah, il faut peut-être que je revienne à la... À l'armurerie pour pouvoir... ouais, autant faire le plein d'armes, hein, puisque j'ai déverrouillé des armes. Avec cette mission réussie. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs d'avoir détourné le convoi. Le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça qui est bon. Oula, faut que j'arrête de courir parce qu'il y a l'effet de malaise. Bah. Ça marche pas l'emergency freinage. Emergency braking. Je me rentre dans un camion. Tu fais des crash tests. Voilà, exactement, je comprends pas. J'ai roulé à fond, le machin il freine pas quoi. Bravo le. En plus c'était un camion écrit en cyrillique. Bon appétit, bonne soirée à toi Saul Goodman. Merci d'avoir été là. A plus. À bientôt.
À bientôt, Saul Goodman. Bonne soirée. Donc, s'ils déclarent en lurk, donc je devine qu'il va aller dîner et se ressourcer. Oh, c'était quoi que j'ai entendu? On aurait dit quelqu'un qui avait balancé un bidon métallique. Ah bon? Ouais. C'est ça. C'était bizarre, comme ce que je vois en contrebas. Oh. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, sauf que moi je vais me barrer là-bas, donc je m'en moque un peu pour le moment. Il est de nuit, j'essaye de rejoindre l'armurerie qui est à 3-4 bornes. Tu as bien deviné, merci, bon appétit aussi, un peu en avance. Non mais je t'en prie, merci. Non mais dans une heure, je serai largement à table. Je serai même sûrement au dessert d'ailleurs. J'ai viens d'emboutir une voiture, pareil. Pas de freinage. Là il fait quoi avec un souci? Non! Mais je lui ai tiré à bout portant! Mais c'est une blague! En tout cas, j'ai pas beaucoup de dégâts, je comprends pas. Ah. Bon, bah, le système de freinage, il est. C'est quoi cette blague? J'ai juste 1% de dégâts, j'ai fait un gros bing dans son camion. Moi aussi, j'ai vécu une blague, mais elle était pas drôle. Je vais foncer dans la station essence, on verra ce que ça donne. Ouf. Arrêtez, bah, c'est Tom! Il est fou! Tant que je fais pas demain soir, soirée avec simulateur avec les deux acolytes. C'est bien. J'ai foncé dans un. Dans un mur pareil. Ah, 9% de dégâts quand même. Ah, c'est le freinage. 9%. Déjà, c'est le freinage. J'ai failli prendre un passager avec moi. Oh l'autre, il essaie de me barrer la route. Oh merde, moi c'est pas mieux. Non, j'ai la guerre. Ah, il m'a eu. Dommage. Violence! Alors, est-ce que j'ai mon pote? Je crois. On se casse d'ici! Bon, ça va là. T'as le temps de soigner tes plaies béantes. Il y a encore des hostiles. Écoute, vérifie tes munitions. Il y a 2-3 par mer. Ah oui, je le vois. Mais je pense pas qu'il y a un autre stick. Hein. Ah si, merde. Ah merde. Là, faut pas déconner, je suis mort. Merde. Mais j'y suis allé de manière trop frontale. J'ai déconné. Là, je suis dans l'euphorie de mes âneries, donc voilà. Ah, il y a la station de service de frontale, je l'ai prise. Ça n'a pas fait d'explosion. Ah, je recommence avec le camion. Bon, c'est rigolo, je veux bien la refaire, mais... Ah, le camion est arrivé, bonsoir. Bonsoir, messieurs les amis. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, c'est le PG. Oh, c'est la jeunesse qui nous a rejoint. Bonsoir, EJ. Je suis en train de faire le zouk en Afrique. Ah, j'ai chaud. Le zouk en Afrique. Faut mettre ce son là après le size de Michel. Ouais.
Comment ça va, Edget? T'es à 24 heures de tes vacances, là. Exactement. Ça va très bien. Moi, je suis content. C'est cool, ça. C'est bien. Je suis 47 DS, et je me rends compte qu'il y a des choses pour moi qui marchent pas. Je cherche des solutions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai eu plein la vue. Dans la réalité, là, j'aurais été décapité par une des tôles qui a giclé à une violence phénoménale. Ah, il y a un tonneau qui roule. Trop bien la physique, trop bien. Et le camion a toujours pas explosé. Hein. Il est vraiment... Il faudra que je prenne le même modèle plus tard. Très robuste. Il y a rien à redire. Ah, c'est uniquement quand on a le cruise control, ouais. Joli salto. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Incroyable. Il y avait un mec qui déambulait entre les flammes. Oh, il y a un loustique qui arrive. Cela devait être la torche humaine. C'est ça. On est descendu de la porte, je vais devenir autorité. Attends, je prends les munitions de l'adversaire. Wouh ! Quel spectacle de fou ! Ce raffut, j'ai alerté apparemment le... Peut-être pas le camp à côté à deux bornes vol d'oiseau, mais... Presque. C'est ça. Exactement. Vous avez... Pas joué le son plus... Ouais. C'est bien, vous faites très bon usage des sons, c'est rigolo. C'est rigolo. Ils sont tellement épiques. Mmh. Ouais, j'ai pris soin de bien les choisir. On est en bien, mais... Tiens, je vais laisser les tiens. Je vous demande de vous arrêter. Non, laissez-le. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Ouh, le sage se tait. Taisez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Ouh. Allez, je me garde un véhicule. Non, je peux même pas le réparer. Oh bon, bah tant pis. Qu'est-ce que c'est con. Ouais. C'est con, mais c'est drôle. Le sage. Pardon. Ah oui. Le sage. Perversion. Perversion à l'alcoolisme. C'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais j'en reviens pas. Le jeu refuse de me... permettre de revendiquer le... Dans le mauvais sens, c'est sûr, ça a moins bien marché. Oui, bah oui. Ouais, j'en mets trop souvent, oui. Oui, bah oui, faut pas en abuser non plus, mais... J'aimerais revendiquer le... Je cherchais mon truc. Le poste de contrôle, mais... Ok. Là. Oh, c'est comme tout à l'heure. Merdoum. Demain, si nous... Ah, c'est... j'ai encore le mur invisible à la noix, ça c'est dommage. C'était quoi? C'était ici. Fallait que je marche où pour déclencher la revendication du... Oh, je fais du foot! Je fais du foot avec le restant de bidon explosé. Mais mince! Mais il n'y a pas 50 endroits pour revendiquer le... Oh là là. Bah, il est toujours cadenassé sur la carte. Non? Oui, il y a toujours le cadenas. Oh, mais comment faut faire pour revendiquer le poste? J'ai tout fait sauter. T'as tout cassé, tu peux rien revendiquer si t'as tout brûlé. Oh, lol. Bah... C'est pas faux. Je revendique des cendres. C'est ça. Je plaide coupable, monsieur le juge.
a tout fait péter. Après, tu veux, le prix du terrain est moins cher si tu t'es cendré et cramé. Ah, puis là, sans mauvaise herbe, hein, parce que vu comment ça a été calciné, dis donc, la terre, elle est devenue vierge, elle est redevenue stérile. C'est moche. C'est muche. Non, mais sérieusement, là, le jeu, il est mal foutu. Comment je fais pour revendiquer mon... Bon, je vais pas m'acharner, hein, tant pis. Je vais passer à autre chose, mais c'est dommage. Autant tout à l'heure, j'avais pu le revendiquer, autant là, je l'ai dans le baba. Donc, je disais, l'armurerie, je vais aller en face et je vais me barrer. Oh la violence! Pour voir s'il y a des mises à jour, tout ça. Oui, voilà, il y a toujours. Un très beau jeu. Elkeen van hierdie koels draai jou na. Pas très malin ce qu'il vient de faire le gars. J'ai un chauffard dans le coin qui vient en renfort. Il est où cet idiot? Ah, il y a un gars là-bas. Trop tard, je t'ai vu. Ah, il y a du renfort. Il y a du renfort. Coucou! Qu'est-ce qu'il fait? Je fais des petits bisous. Bah, il descend là. Mm-hmm. Oula, oh la vache, il va te tuer là. Ouais. Merde, homme! Ah, il est coriace, hein. Ouais, mais c'est moi qui dis mal. Tu vois, il est malin. Alors, d'ailleurs, j'ai changé de technique pour l'avoir. La chaise va me poser problème. Bon là je suis coincé dans un trou à rats mais... C'est lui ou moi? Mais là j'avoue c'est moi qui ai mal viré au snipe. C'est bien, il a bien bougé au bon moment. Oh la vache. Il a gagné. Il a gagné le duel. Oh la vache. T'es un boss. Vers 21h, ouais. Bon. Merci FunFan pour l'info. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ce que je disais. Voilà, de l'intérêt d'avoir un coéquipier mercenaire. Hein. Il a gagné le duel. Bravo. Magnifique. Restons un peu planqués ici. Et si t'as des médocs, il est temps de les prendre. Oh, ah, c'est... Hey. Ah! Il y a encore des hostiles! C'est horrible! Il faut faire mieux! Ça me fait mal! C'est... Je me souvenais pas qu'il y avait autant de détails dans les blessures, Bark. Une vraie leçon d'anatomie, diront certains. Non, il est resté dans la pièce ou. Non. Ah! Je crois que je l'ai vu bouger par un petit bug. Son flingue a dépassé le mur, non? Ah non! Non, non, j'ai rien dit.
Ah, il est là. Enfin, si c'est lui. Non, c'est mon coéquipier. J'ai failli abattre mon coéquipier. Heureusement que j'ai pris le temps d'identifier ma cible avant d'appuyer sur la gâchette. Bah, le gars, il est là ou il est mort? Tu l'as vu? Non. Il l'a pas vu. Oh. Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Mais je sais pas t'en voir comme ça, moi. Mm-hmm. Ah, ça me rappelle la façon dont tu fais le. Mm-hmm. C'est mm-hmm. dans. C'est l'unité de Starcraft 2. Qui... Mm-hmm. Je crois que c'est le flammeur. C'est assez drôle. Tu... Mm-hmm. Et ensuite, tu te dis, je vous ai manqué. Je sais plus trop quoi. Ah oh. N'importe quoi, en effet. Bon, moi, je voulais l'armurerie, là. Je prends le risque de me barrer. Je suis encore en vie, mais je suis pas en forme, hein. Je suis blessé. Est-ce que c'est un conteneur ou un porte-conteneur? Est-ce que je suis loin de l'armurerie? Oh oui, j'en suis encore loin. Prochaine à droite. Prochaine à droite. En espérant que je me fasse repérer par une patrouille. Alors je vois l'armurerie, mais vais-je l'atteindre vivant? Je ne sais pas. Je crois. Nickel. C'est bon. Je suis tiré d'affaire. Wouh! Ah, des munitions. Non, c'est bon. Tout est bon. Ah bah, tout est bon. Bizarre. J'en veux un œuf. Là, là, et là, bon, je me fais liquider. Ce serait moche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le vendeur d'armes? Lorsque vous n'avez aucune mission en cours, le vendeur d'armes, blablabla. La prochaine mission vous proposera d'avoir l'AK-47, le MAC-10 et le lance-roquette RPG-7. Ah, ah. Ouh, je sais ce que je vais m'acheter, tiens. Ouais. Rave le film. Non. Ah non, 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 je vais acheter une remorque dans le jeu, avec des sous de jeu. Avec les sous-sous du jeu. Les sous-sous du jeu. Bienvenue, mon bon ami. Tu es justement le genre de businessman dont j'ai besoin. Et, du coup, bah, c'est intéressant. Je connais un type qui va passer un chargement d'armes par la frontière au nord d'ici. Détruis le stock d'armes et j'aurai un petit quelque chose de spécial pour toi la prochaine fois que tu viendras faire tes courses. Dans les trailers contents. Merci. J'adore les visionnaires comme toi. Il est où le convoi qui vous fait péter? Ou il n'est pas à la porte d'à côté? Oula, il est très loin, le convoi. Oulala, ça, il va y avoir une course-poursuite, là. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vais essayer de faire le convoi avant de faire un relais de chaîne à Poupon, mais ça va être juste. Hein. À mon avis, là, je vais avoir besoin de plus de 20 minutes que d'un quart d'heure. Vous allez encore plus aimer votre arme préférée lorsque vous aurez acheté des améliorations de fiabilité et précision. Les statistiques de chaque arme sont visibles dans l'onglet amélioration de votre journal. Enfin, sachez que les cartouchières pour chaque type d'arme vous permettront de transporter plus de munitions. Oui, ok. Oh, attends, j'ai vérifié l'image. Bizarre. Ah si, c'est un porte-container. Ah, le lance-fusée. Il y a des moments, je prendrais bien le pistolet silencieux, parce que plus d'une fois, vous avez vu, je suis approché des mercenaires dans le dos, ils m'ont pas vu, je pouvais les abattre tranquille. Mais façon James Bond, tranquille, hein, quoi. Oui, bah, je vais le prendre. Je vais acheter le flingue, parce que à mon avis, il va me réussir. Achète le flingue. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des trucs de conteneurs? J'en ai un, je veux un, si j'en ai pas, j'en achète un. Alors, je vais aller chercher mon nouveau joujou dans l'entrepôt de l'armurerie. Poilot, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Donc, je peux porter un conteneur. Cool. Et où le pistolet? Le pistoulou? Il est où le pistoulou? Il est là, le pistoulou. Oui, il est beau, le pistoulou. Ça y est. Je deviens tout fou. Wouh! Il présente bien. Ça se présente bien. Vous êtes en état d'arrestation. Le sage, et le temps est venu de fermer les volets. Ça, c'est déjà fait depuis tout à l'heure. Quand j'ai fait ma pause, je vous l'avais dit. Ah, je pensais que t'es juste allé chercher les poubelles et tirer un petit souffle.
Alors, les poubelles, c'était pas prévu, mais ouais, je les ai rangées. J'ai fait un pissou, je vais aller me chercher à boire et j'ai fermé les volets. C'est vous dire. En 5 minutes, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, 10 minutes, je crois que ça avait. Du coup, d'ailleurs, comme j'ai pas fait pause dans le jeu et que je voulais que vous voyiez l'évolution du ciel avec l'aube, j'ai planté un coéquipier mercenaire qui m'a engueulé. Donc, ça va y avoir des répercussions dans le scénario. C'est bien fait pour ma gueule. C'est rigolo. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est voilà, c'est j'y avais pas pensé. Bien fait pour ma tronche. Alors, mission, faire exploser le camion bourré d'explosifs et d'armes. Il est très très loin, à l'autre bout de la région. On va faire 10 km en bagnole. Il faut être certain que je vais passer des points de contrôle très chauds et des patrouilles qui vont m'allumer. Ils vont m'allumer comme des gros vilains. Là, pour le moment, je suis surpris que ça se passe bien. J'ai quand même passé de carrefour. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un zèbre. Oh. Bonjour monsieur. J'ai privatisé la route. Au revoir monsieur. Non, non. Il m'a tué. C'est tout dangereux sur la route ici. Oui, très. C'est honteux, j'en avais une plus grosse que lui, hein, entre mecs bien virils. J'aurais dû lui rouler dessus. C'est pas juste. C'est pas juste. Oui, donc j'avais sauvegardé avant d'acheter mon nouveau joujou. Donc je recommence. Le nouveau joujou, il est où? Il est là, mon nouveau joujou, poil au caillou. Allez-y. Ah là, vous m'avez perdu, je suis déchaîné. Et non pas vous m'avez déchaîné. Tu aussi un peu, quelque part. Allez, le Joujoux, il est là. Alors, la tuture. Je suis parti pour la guerre. La guerre thermonucléaire. Alors, attends, mon radar dit qu'il est où? Il me dit que c'est pas la bonne route, il faut que j'aille par là-bas. Direction le nord. C'est le nord. Oui, c'était par là-bas le convoi. Et donc, je crois que c'est voilà, toujours la même chose. Bon là, je me bute, le mec. Me bats. Je peux pas tirer avec une flingue. J'ai un petit souci. J'ai du bol que l'autre patrouille m'ait pas rejoint. Merde, elle va péter ma bagnole. Ah, il va m'abattre. Ta bagnole, elle va. Oh. C'est malin, ouais. Excellent, excellent. Non, j'ai été prétentieux parce que là, j'ai réveillé toute une région avec des vigies à 10 contre 1, ça peut pas marcher. Enfin, 10, j'exagère peut-être, mais ils étaient au moins 5 contre moi et bien équipés. Donc, mais j'ai très envie de. Tant pis pour le flingue silencieux, j'aurai pas l'occasion de faire joujou ce soir avec. Tant pis, ça le prochain épisode. Mais j'aimerais bien essayer de me faire vraiment le fourgon avant qu'il m'échappe. Et puis je fais relais à Poupon dans 10 minutes, un quart d'heure. C'est vrai que je commence à avoir faim là, faut pas déconner, 21h, je commence à avoir l'écho.
La 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 la. Et c'est bien, demain, exceptionnellement, il y aura un épisode commenté avec FunFan. Ça va être cool. Ça me rappelle un truc. Je suis allé vers les panneaux kilométriques. Indiquer la distance entre les villages et les villes comme ça. C'était tout très compliqué. Genre, il fallait voir. Oh merde! Ah, dommage! J'ai fait un truc complètement délirant. Oh la vache! Ça aurait pu marcher, mais non. Voilà, c'était pas à respecter les mesures exactes. J'y attachais peu d'importance, c'était la direction qui était importante. Mais sérieusement, il est où le convoi? Ah mais hé, vous savez quoi, je me suis lancé sans relancer la mission avec le... C'est justement le genre de businessman dont j'ai besoin. J'étais pas prêt de trouver le convoi, je l'avais pas provoqué. Par la frontière au nord d'ici. Détruis le stock d'armes et j'aurai un petit quelque chose de spécial pour toi la prochaine fois que tu viendras faire tes courses. Ouais, la mission au convoi. Voilà, j'accepte, je veux faire la guerre. Le sage, je sais que dans le Far Cry 1, tu pouvais faire ça, c'est-à-dire... changer la caméra en vue extérieure. Est-ce que c'est encore possible dans le 2? Je crois pas. Je me souviens que c'était la touche S pour bouger. J'ai pas vu ça dans les options. Le fait de pouvoir changer de caméra, à la troisième personne, comme on dit, non. Ça me dit rien. D'accord. Non, c'est pas possible. Bah, si tu veux, dans le 1, tu incarnais un seul et même personnage. Alors que là, dans le 2, au début, quand tu commences une nouvelle carrière, t'as le choix du mercenaire que tu veux incarner. Donc, à l'idée de modéliser une dizaine de mecs, c'est pas chaud, c'est pas top, quoi. Ah oui, il y a juste des bras et des pieds, quoi. C'est ça. Ah, c'est marrant, maintenant, j'ai une flèche rouge en plus sur mon GPS, qui s'appelle la cible. Salut toi! Oh non, mais c'est d'un ridicule! La manière dont il arrive à m'abattre! Oh. Remarque, je suis en train de me dire, je me demande si plus tard il n'y a pas des gilets pare-balles. Je crois que si. Là, je suis à poil comme c'est le début de l'histoire, mais. Je crois qu'à un moment je gère les gilets pare-balles. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont. Waouh! Il y a des missions magnifiques dans le jeu là. Ça équivaut à faire un film Rambo ou un... Vu que je pouvais plus péter, je vous offre un Expandable, là. Film d'action à l'américaine. Mais sérieux, hein, franchement, il y a des... Mais on a déjà vu les premières scènes qu'on a vécues cet après-midi. Il y a des scènes magnifiques. Il y a des scènes magnifiques. Bon, le gars va se pointer. Voilà. Je suis un peu énervé et désabusé du mec. Comment il est sorti de la voiture, c'est excellent. Ouais, je l'ai un peu dégommé vénère, tu sais. Et je lui roule dessus, voilà. Il n'y a plus de respect. Quand tu es quelqu'un, c'est pas un respect. Oui, c'est sûr. Tu m'étonnes. Après, dans le film Dune, il y a un combat de quelqu'un, c'est... C'est respecter la personne. Respecter l'adversaire. Oui, dans les combats, il y a aussi respecter l'adversaire. Alors, il y a tellement de bordel que je t'entends plus, pardon. Oh merde, ma tête a dépassé. Oh merde. C'est chaud ton jeu en fait là. Ah, très. Mais je joue en conditions réelles, donc une balle à mort. C'est ça qui est excitant. Ah ouais, j'y joue qu'en légendaire à Far Cry 2, il est trop bien. Et tu joues aussi en hardcore Oui, c'est ça. Je peux pas faire plus difficile. Ah non, tu joues pas en hardcore, parce qu'il y a le mode balle en or. Et t'as pas le mode de mort, terminé. Alors là, il faudra qu'on en rediscute en antenne, Dayonet, parce que je vois pas de niveau de difficulté plus difficile. Hein. Moi, j'ai mis le maximum. Alors, dans Diablo 3, quand j'ai joué, t'as le mode... avec la mission, tu peux juste te mentir, tu t'as mis d'autres qui sont difficiles à l'époque, c'était comme ça. Et t'as un autre mode, ça
s'appelait le mode hardcore, ce qui faisait que quand tu mourais tout ça, dès que ton personnage mourait, tu recommençais complètement à zéro. Ah d'accord. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. T'as fait non sans... sans faire de bruit. Attention. Mince, quand même. J'ai fait un mauvais clic, là, il y a eu le mouvement de tête, c'était pas très bon. À bout portant, mais faut arrêter. Le mec, il est en... Comment on appelle ça La chemise sans manche. Il est quasiment à poil. Il a pas de gilet pare-balles. Le mec, il s'est pris 4 balles sur les 8 de mon chargeur. L'autre, c'est limite s'il peut pas me danser la macarena devant moi. Faut arrêter quand même. On serait dans Terminator. J'accepterais. Mais là, je l'accepte pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je vois que Poupon a lancé. Je vois, j'ai l'alerte. La notif, comme on dit. Bon, allez, dernière tentative. Parce que je sais qu'il y a le chrono de compte à rebours. Hein. Allez, tu me fais suer. Va mourir. Ça compte pas. Ah mais ben, il me ouf. Surtout que là tout à l'heure j'avais vachement en classe, je l'avais bien abattu propre. Oh la musique elle est extra. Pom 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 pom. Au niveau du suspense. Re-Christella. Lui, on va aller chez Poupon dans quelques minutes. Allez, je m'offre une dernière tentative. Là, je vais essayer de me la jouer proposée pour exploser le convoi d'armes. Et on file chez Poupon. Allez, hop. Le gars, il m'énerve. Il est où? Il est là. Voilà, je crois qu'il est mort. Ça fait comment de se prendre de 30 balles à la seconde? Merci pour les applaudissements. J'étais un poil vénère. Juste un peu. Je l'ai eu, ma revanche. Alors... que j'arrive à les sniper. Alors, ils vont forcément me repérer, mais... il faut que j'arrive moi aussi à avoir un bon point de vue. Voilà. Là, ça me va. Hop là, il est mort. Il est mort. Qui c'est qui me tire dessus? C'est pas derrière moi quand même. Non, c'est devant. Merde. Oula, c'est chaud. J'en peux plus de ce merdier. Merde. Ah, je me fais sucer par le bas. Ah, ils sont nombreux. Oula, c'est douloureux. Merde, c'est pas la bonne arme. Non, c'est mort. Allez, on va aller voir Poupon, c'est la fatigue. Je suis fatigué. Eh ben, bonne soirée à tout le monde. Oh, oui, merci. Alors, attends, le temps de faire les remerciements, de lancer le raid, t'as encore 5 minutes.
Non, là c'est la fatigue. Mais c'était vachement bien. Quand je suis bien, plénitude de mes moyens, je vous promets que je vous fais des assauts. Bon, mais je manque encore d'équipement. Là, je demande d'avoir encore 2-3 armes que j'aime bien. Et d'ici une dizaine d'heures de jeu, je vais vous faire des assauts. Mais ça va être, mais vraiment, ça va être l'éclat total. Ah là 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 là. Allez, vache poupon. Ic, pardon. Alors, remerciement. Je vais regarder un peu mon historique de chaîne parce que. C'est pas tout de faire mumuse la journée, mais je sais plus ce qui se passe. Bah merci justement à Popon qui a renouvelé son abonnement de tout à l'heure, il y a 3 heures. Merci à l'acte de fidélité ce matin de Noah. Merci il y a 3 jours, ah oui il y avait Yukine, bon là c'était rétro. Merci donc à Noah et à Popon. Merci Fun pour la modération, les clips, l'animation. Merci Nayonet, Winsen et Jay d'être passé en vocal, c'est sympa. Oui. L'arc avec les flèches explosives. Il n'y a pas d'arc dans Far Cry 2, mais il y a un lance-grenade. Il y a un lance-grenade et j'aurai des occasions musclées de débusquer l'ennemi en pétant 4 murs en une seule fois. Ah bah tiens, je vois que Torota a lancé lui aussi sur Euro Truck Simulator 2. Il va tester la mise à jour, je crois. Oui, on file chez Popon. Alors, ah merde, c'est vrai que je peux pas le faire depuis mon logiciel. Oh. Bah tiens, je vais provoquer l'erreur. Tiens, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, je vais en profiter pour la corriger ce soir. C'est Popon 29, hein, je crois. Alors, try to start red, Popon. Manque un accès démarré. Voir dans le compte principal. Ton ordi se met à jour. Oui. Non, mais y a pas de souci, Fun. T'as bien raison. Donc, il faut que je repasse par mon interface Twitch officielle. Ou que je coupe le son, sinon je vais m'entendre en 50 exemplaires. Je suis très content de la vignette qui tombe au hasard, vous savez, sur Twitch. Pour mon Gran Turismo, on voit bien la Dodge Viper en magnifique. Là, la vignette qui va rester 15 jours sur mon canal Twitch, elle est magnifique. Pour le Gran Turismo. Alors, est-ce que le relais de chaîne se fait? Ouais, c'est bon, c'est dans les tuyaux. Eh bien, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Moi, je vous dis bonne soirée, bonne app si vous n'avez pas mangé, bonne digestion si vous avez déjà mangé. Bon, je vous dis à demain matin pour... je sais pas quel jeu. Oui, et on se retrouvera un moment avec Fun vers 13h, 14h. Je sais plus ce qu'il avait défini, je m'en souviens plus. Mais on aura... De toute façon, je vous le répéterai demain. On aura un épisode commenté exceptionnellement ce vendredi, donc c'est cool. Merci Christella, bisous, merci pour la présence, bisous tout plein. Allez, on file chez Popon. Puis moi j'ai faim, je vais croquer mon restant de pizza. Tout, allez c'est parti. Popon, Popon, le poupou, le pompon, notre panda roux breton, Popon. Alors qu'est-ce qu'il dit Popon? Bonsoir, Popon. Alors attends, faut que je coupe mon enregistrement pour YouTube, moi, parce que ça tourne encore. Aïe. Merci les anonymes qui suivent sur YouTube. Oui. À la prochaine. Ciao, bisous, prenez soin de vous.